Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir, mot saluez-vous tous dans le précieux nom de Jésus. Et c'est vraiment merveilleux que chaque mardi soir, nous capables de rencontrer pour ce temps de prière, ce service de guérison. Et ce soir, mot saluez ceux qui à l'écoute, que ce soit à Maurice, à l'île Rodrigue et aussi dans d'autres pays à travers le monde, et à tous ceux qui pouvaient écouter nous, même en différé, que ce soit en Australie, en Malaisie, à Singapour, à Dubaï, en France, au Canada, en Angleterre et partout ailleurs. Merci que toute la famille de Dieu nous capables réunis à travers les ondes, à travers les réseaux sociaux, pour nous être à l'écoute de la parole de Dieu, pour nous louer, bon Dieu, et surtout pour nous intercéder pour tout bon frère, tout bonne sœur qu'il a. Aujourd'hui, il nous dit c'est un service de guérison parce qu'il nous connaît la maladie est née dans le monde d'aujourd'hui. Vous savez, quand Dieu t'a créé le monde, bon Dieu n'a pas créé le monde pour qu'il nous tombe malade. Mais à travers le péché d'Adam et Ève, la maladie ne rentre dans le monde, la mort ne rentre dans le monde. Mais Dieu est venu pour apporter cette bonne nouvelle. Que la mort n'est plus et n'a aucune emprise sur nous. Au-delà de la mort, il y a la vie. Le Seigneur annonce la résurrection des morts par sa propre résurrection. Et bon Dieu, il est venu en la personne de Jésus-Christ pour guérir les malades. Et ce soir, quand nous lisons dans Exode, au chapitre 23, verset 25, il dit ces paroles. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et éloignera la maladie du milieu de vous. Bon Dieu, il vous bénit, nous dit pain. Il vous bénit, nous dit l'eau. Il vous bénit, nous, dans nous la vie quotidienne de chaque jour. Et il vous éloigne de nous la maladie. Et Seigneur, ce soir, Seigneur, nous remercions toi. Merci pour tes paroles, Seigneur, que tu es l'Éternel qui guérit, le Jéhovah Rapha. C'est toi qui guéris toute maladie. C'est toi qui éloigne toute maladie. C'est toi qui mets un aide de protection autour de nous. Ce soir, Seigneur, nous prions pour, Seigneur, pour tous ceux qui vont être à l'écoute ce soir, Seigneur. Qu'on nous réclame tes paroles, nous réclame tes promesses. Que des signes et des prodiges pour accompagner la prédication de tes paroles, comme un pasteur Lola, pour apporter la parole de Dieu ce soir, que cette parole est capable de tomber sur la bonne terre, que la parole de Dieu est capable d'augmenter la foi en Dieu, la foi en la parole de Dieu, la foi dans la promesse de Dieu, qui ça qui bon Dieu dit à lui faire. Et ce soir, Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu. On réclame ton onction, ta puissance, là, chacun d'entre nous, Seigneur. Merci que tu, ce qu'il nous peut dire, ce qu'il nous faire des uniquement pour la gloire de Dieu. Amen. Nous passons d'abord un temps dans la louange et adoration. La louange et adoration qui fait nous fixer nos regards, le nous bon Dieu. La raison d'être, pourquoi nous là ce soir, c'est parce que Jésus-Christ est là ce soir. À travers les réseaux sociaux, il dit, quand deux ou trois personnes nous réunissent dans le nom de Jésus, notre Seigneur est là. Et ce soir, c'est dans sa présence qu'il nous peut louer. Amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et gloire à Dieu. Merci, pasteur avec Révé Henri. Et vraiment, pour la prière, nous commençons cette réunion ce soir. Et me saluer de tout qui peut regarder nous sur Facebook, et aussi qui peut regarder nous sur YouTube. Et certainement, c'est un grand plaisir pour nous capables, ensemble avec ceux qui sont à Maurice ou dans les autres pays, partout dans le monde, que je peux connecter, gloire à Dieu, je peux capable chanter et glorifier le Seigneur ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Et certainement, beaucoup des pays qui causent créole, je peux capable comprendre. Amen. Gloire à Dieu. Mais ce matin, ce soir, nous bénissons le Seigneur ensemble, même nous capables de différentes langues. Alléluia. Mais le Seigneur appelle nous qui nous capables de louer et adorer ensemble.
Et le psaume 73, et gloire à Dieu, verset 28, il dit « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon Dieu. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. » Amen. Et ce soir, il y a l'occasion aussi qui, ensemble avec Zout, nous capables de chanter les merveilles de Dieu et adorer parce qu'il est vraiment digne. Alléluia. Merci Seigneur Dieu qui te dirige nous ce soir. Alléluia. Et rends-nous capables d'adorer toi comme nous amène nous adorer toi. Amen. Et vraiment, nous pouvons louer toi parce que tu as mérité pour qu'il nous loue toi et nous adore toi. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Me louer, bon Dieu, de tout me l'équerre, y remplis-moi avec son onction. Seul esprit loue moi, par tout que me valait, par ce parole me plus qui vainque. Me louer, bon Dieu, de tout me l'équerre, remplis-moi avec ce notion. Seul esprit de moi, pas tout que tu peux aller, par ce parole, mon fils qui vainquait. Me louer, bon Dieu, que tu me l'aies, et remplis-moi avec ce notion. Seul esprit de moi, pas tout que tu peux aller, par ce parole me plus qui vainquait. Me louer tous les jours, me adorer tous les jours. Me louer tous les jours, me adorer tous les jours. Parce qu'il est pris moi, parce qu'il est pris vous, parce qu'il bon Dieu, mon bon Dieu, lui bien grand, lui bien grand, lui bien grand, mon bon Dieu, mon bon Dieu, mon bon Dieu, lui bien grand, lui bien grand. Le bien aperçu, lui grand, lui bien, le bien aperçu. Seigneur, vraiment, toi-même, mon bon Dieu. Oui, Seigneur, tout mon la vie, moi, pour louer toi, moi, pour glorifier toi. Parce qu'il vraiment te dit, pour t'adorer, te dit, pour te louer, Seigneur. Oh, reçois nos louanges ce soir. Reçois nos louanges, Seigneur, que toute la terre, que tout, oui, Seigneur, partout dans le monde, Seigneur, ton nom est capable d'être glorifié. Oh, Ramakababashi. Prends tout contrôle, Seigneur.
ton nom est béni, Seigneur. Seigneur, tu prends. Jésus, si mola devant toi, c'est pour toi, Dieu. Dispo, élève-toi, Seigneur. Et te vraiment dis, Seigneur, qui nous caque tout qui te souche. Pour nous adorer, toi, Dieu. Oui, Seigneur, Dieu.
Et ce soir, Seigneur, alléluia. Oui, Seigneur, écoute ton peuple qui peut adorer toi. Te bénis, enfants. Te bénis, rachetés, Seigneur. Seigneur, nous bénis-toi. Il n'y a plus grand que toi. Il n'y a plus bon que toi. Il n'y a plus faux que toi. N'a plus grand que toi, n'a plus bon que toi, n'a plus faux que toi, Jésus. Me lève la main pour moi de toi, oh Rabagaba, me louer toi. Il n'y a plus bon que toi, il n'y a plus faux que toi, Jésus. Oh oui, Seigneur, il n'y a plus grand que toi, il n'y a plus bon que toi, il n'y a plus faux que toi,
Maname yabasi, namakoria leina, uriamasi amako, mokoriamasi. Seigneur, tout grand, tout magnifique, Seigneur. O Rama Kabluya. Ainsi, ma nous à la terre là. Nous pas pour toute personne qui m'a toi. Si nous pas le fouiller dans la mer, nous pas pour toute personne qui m'a toi. Si nous pour pas couler les galaxies, nous pas pour toute personne capable de comparer à toi. Et vraiment te dis pour t'adorer, Seigneur. Te vraiment dis. Oh oui, notre Dieu, tu es grand. Seigneur, agis ce soir. O Ramakablu Yerebeshi Navara. O Ramakabli. Même si montagne pour toi, mon Dieu peut dire toi aujourd'hui. Même te sentir qui tout qui se qui te peut tenir à toi, il paraît fragilisé. Même tout l'espoir qui te tient là, il disparaît. Le Seigneur peut dire toi ce soir. Jamais l'île est ébranlée. Jamais. Quand t'as pis, toi le moi. Jamais te prie branler. Jamais te pour perdre. Même si ces choses autour de toi, même si te trouves la santé fragilisée, même si te trouves le monde autour de toi fragilisé, moi, je suis toujours le même, Dieu le Seigneur. Oh, Ramakaba. Merci, Seigneur Dieu. Ton nom est béni ce soir. Amen.
Alléluia. Bonsoir à tous. C'est merveilleux quand nous pouvons louer le Seigneur, ce Dieu, ce grand Dieu, ce Dieu tout-puissant qui peut agir. Ce soir, frères et sœurs en Christ, c'était la joie pour moi, pour retrouver vous autres, pour partager la parole de Dieu. Et ce soir, mon partage sur la persévérance dans la prière de la foi. Frères et sœurs en Christ, je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent suivre ces sessions de healing ce soir. Vous êtes dans une situation vraiment difficile, énorme, peut-être au niveau de la santé, au niveau de la famille, au niveau du travail, de bonnes relations. Mais mon envie de dire ce soir que Dieu les trouve dans une situation et ouvre les cœurs à Seigneur Jésus et fait les confiances à nos prières. Papa, ce soir, dans le nom de Jésus, nous les disons merci, Seigneur, mon Dieu. Merci pour la journée qui nous est passée. Merci, Seigneur, qui te peut permettre de nous rencontrer, Seigneur, mon Dieu. Je te cite, Seigneur, mon Dieu, pour parler de toi, pour partager ta parole. Merci, Seigneur, qui nous est capable de rencontrer ensemble d'un seul cœur, d'un seul esprit, pour louer toi, pour adorer toi, Seigneur, pour donner toi la gloire qui te méritait. Et Seigneur, nous disons merci pour ce privilège qui te donne à chacun de nous, Seigneur mon Dieu, d'être à l'écoute de ta parole. Seigneur, Papa, me demande-toi ce soir dans le nom de Jésus, Papa, qui, Seigneur, qui ta parole, Seigneur, ce soir, il tombe dans la bonne terre et qui ta parole, il peut exaucer les cœurs de tous tes bons enfants, Seigneur. Ta parole, Seigneur, pour fortifier eux, Seigneur mon Dieu. Oui, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, ce soir, je vais vous lire un texte de l'Évangile de Luc, au chapitre 18, du verset 1 à 8. Ce texte, il se peut que je caille, l'y aille plusieurs fois, je ne suis capable de l'entendre, cette lecture, mais je vais vous l'y aller. Elle est bon quand on écoute la parole de Dieu aussi souvent qu'il nous capable, parce que la parole de Dieu, elle est toujours la même, elle n'est pas changée, et la parole, elle éclaire les yeux de nous l'équerre. Alors la parole dit à nous, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et ne tendra-t-il à leur égard ? Je vous le dis. » Il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Alléluia. Comment nous connaître Jésus si souvent, il parle en parabole avec la foule, avec ses disciples, pour amener eux à comprendre ce qu'il a envie de dire à eux, de servir à quelque chose, pour parler avec eux. Et dans cette parabole de la veuve, Jésus présente nous le cas de cette femme qui peut faire appel à un juge inique. Un juge inique, c'est celui qui est injuste. Celui qui, comme si pour lui, c'est lui-même qui peut faire tout. Il décide quoi que ce soit. Il a envie de faire d'après lui ce désir. Right? Qui lui décidait, il y a une façon qui agit excessivement, hein, l'injuste. Alors, la Bible nous dit, Jésus nous dit dans cette parabole, que cette femme qui vient vers ce juge pour réclamer justice. Et ce juge, il aime lui dire qu'il n'est pas craint Dieu, il n'a la crainte de Dieu, lui. Et il n'a égard pour personne. Right? Lui, c'est juste sa personne qui est important. Hein? Il n'a aucun égard pour personne. Il n'a pas cassé la tête du monde. Right? C'est lui
C'est lui seul qui est au centre. Right. Et d'ailleurs, il reconnaît lui. Il reconnaît lui, il dit, right, il dit que il n'a la crainte de Dieu et qu'il n'a aucun égard pour personne. Right. Et ce juge, peut-être, moi qui dis ça, hein, la Bible pas dit ça, lui. Peut-être chaque fois quand sa femme-là, Vingetli, cette veuve, Vingetli, pour demander justice, il renvoie, il n'y pas prendre compte. Peut-être qu'il y attend quelque chose de cette femme. Peut-être, je connais parfois dans la vie, comme ça, il y a beaucoup de monde attend une bribe. Et pour agir, parce qu'ils étaient un petit peu power, et ils étaient un petit peu l'autorité dans le monde, comme ça. Et peut-être qu'il y attend une petite comme on nous dit dans nos langages créoles. Mais la femme ne pouvait pas faire cela parce que c'était une veuve, ce qui veut dire qu'il est en difficulté lui-même, il est pauvre. Il y a une veuve. Il n'y a personne pour défendre son cas. C'est lui-même qui est bizarre vers, cette juge, vers ce juge pour demander réparation parce que le camp adverse peut importuner lui. Et nous ici, dans la vie, nous avons un rival qui importune nous quelquefois. Alors, frères et sœurs en Christ, Jésus prend le cas de cette femme veuve dans cette parabole pour montrer nous quelque chose, pour enseigner nous quelque chose ce soir, frères et sœurs en Christ, pour enseigner nous le caractère de cette femme. Pardon. Et comment cette femme n'est pas fin baisse les bras dans tout ce refus qu'il a gagné, dans tout peut-être ben, l'affront, vous connaissez, quand du monde gagne un affront, c'est pas facile ça. Hein? Et ou sentiez-vous désorienté, ou sentiez-vous affaibli, ou sentiez-vous découragé. Mais la femme ne se laisse pas faire. Cette veuve ne se laisse pas faire. Elle n'est pas laissée découragée. Elle n'est pas laissée découragée à aucun moment. Et elle continue de taper la porte de sa juge-là. Elle continue de taper la porte parce que la Bible dit à nous, dans le verset 4, pendant longtemps, il refusa. Le juge refuse pour donner à cette femme justice. Pendant longtemps. Nous ne savons pas combien de temps ça nous prend. Right? Mais sa femme-là, lui aussi, pendant longtemps, il n'est pas découragé. Il n'est pas baissé les bras. Il continue vine vers le juge right? Pour demander réparation. Demander pour intervenir parce qu'il y en a l'autorité pour faire cela. Frères et sœurs en Christ. Mais tellement que la femme vient vers lui, demande lui, right? La femme y a envie qu'il y ait gain de cause parce qu'il n'est pas accepté ça, l'injustice-là. Il n'est pas accepté que la partie adverse peut oppresser lui. Right? Il dit non, moi pour persévérer. Peut-être ce soir, il y a beaucoup, peut-être, une personne, un frère ou une sœur qui est capable de vivre une situation. Quand il est oppressé, à côté, il n'est pas trouvé solution dans cette situation. Mais ce soir, frères et sœurs en Christ, la Bible, notre Seigneur Jésus-Christ, lui enseigne nous, lui donne nous une réponse de ce qu'il faut faire. Peut-être que tu as tapé tout la peau qui est là, tu as toute cette qualité grande du monde, tu es capable de rechercher la solution aux quatre coins de l'île, mais tu n'as pas trouvé l'île. Mais ce soir, mon frère, monsieur, à l'arc-de-tuité, crie vers Jésus. Tape la peau de notre Seigneur Jésus. Et ce Dieu, il nous écoute. Ce Dieu, il nous entend. Alors, nous continuons, nous guetter que cette femme, l'in persévérer dans ce demande. L'in persévérer sans qu'il y cède au découragement. Dans le premier verset même, Jésus dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Est-ce qu'ils ont dit à prier juste pour une minute? Est-ce qu'ils ont dit à prier juste pour quelque temps? Non. Lydia, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et c'est ce que cette femme veuve l'a fait. L'a continué, vine vers le juge pour venir demander réparation. Qui te pisse à intervenir dans sa situation-là. Te fatigué, trouve-moi, mais moi, pour continuer à venir, moi. Moi, pour continuer à venir vers toi, moi. La femme dans ce faux intérieur. Frères et sœurs en Christ, cette parabole
Jésus n'est pas fait comport ce juge à Dieu. Non. Mais lui dire qu'il nous besoin et la persévérance pour nous obtenir la justice. Tout comme cette femme, elle finit persévérer pour obtenir la justice de ce juge qui bâtit craint Dieu, mais elle finit capable de rendre justice. Et notre Dieu, à plus forte raison, notre Dieu, qui est un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion, un Dieu rempli d'amour, est-ce qu'il n'est pas tant nous qu'on nous peut crier? Est-ce qu'il n'est pas tant nous la prière? Alors, frères et sœurs en Christ, dans n'importe quelle situation qui te trouve, toi, continue à prier vers ce Dieu qui est vivant. Pas laisse-toi décourager si ton papa trouve non y est passé, ton papa trouve la solution, ton papa trouve la réponse venue qui te peut prier, mais tu continues à prier. Tu n'as pas abandonné. Parce que ce Dieu-là, il y a un Dieu qui a l'écoute. Et nous, pour qu'il y ait un petit coup, parfois nous disons, mais pourquoi Dieu t'a-t-il? Pourquoi Dieu n'est pas à nous? Ce matin, notre frère, le pasteur Steve, il dit ça ce matin à l'église. Parfois nous disons, bon Dieu, papa est à nous. Bon Dieu, papa trouve-nous. Dieu n'est pas aveugle. Dieu n'est pas sourde. Dieu l'étendait. Dieu l'est pointé à venir dans son temps. Dans sa parabole-là, il y a des leçons qui nous tirent. Premièrement, nous trouvons qu'il peut-être Dieu, quand je peux demander, je trouvais que Dieu ne peut pas répondre jusqu'à maintenant. Il ne peut pas répondre. Parfois, bon Dieu, il ne peut pas répondre immédiatement. Mais il est capable de répondre. Mais quelquefois, Dieu lui permet qui nous passe à travers une situation difficile, à travers une tribulation, à travers une persécution, les permettent qu'il nous passe à travers de la souffrance, de la douleur. Dieu les permet, mais seulement lui, il est le Dieu qui peut délivrer nous. Je connais Dieu les permet tout cela pour nous capables de faire une expérience, l'expérience d'une certaine mesure de sa souffrance là, de sa problème là, de sa persécution là, et qui nous met nous, Dieu met nous la foi à l'épreuve, frères et sœurs en Christ. Dieu met nous la foi à l'épreuve, frères et sœurs en Christ. Nous la foi les bisais solide comme le roc avec Jésus Christ. Nous bisais la foi solide comme le roc, frères et sœurs en Christ, en Jésus Christ, parce qu'il pas oublié que c'est lui qui a donné sa vie pour toute l'humanité. C'est lui qui a pris tous nos péchés sur lui. Dans Romains chapitre 5, verset 34, il dit, « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, l'affliction qui produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Frères et sœurs en Christ, sa parole la même assez pour donner nous ça l'encouragement là, pour persévérer dans sa situation difficile là, qui comme une montagne dans nous la vie, right? Mais qui nous capable et la confiance en ce Dieu, parce que la parole même dit à nous, nous besoin être persévérant. Et sa persévérance là, les pour produire, frères et sœurs en Christ, les pour donner nous la victoire. Lors sa situation là. Tout comme cette veuve. Dans sa persévérance vers ce juge unique, les fins gagnent la victoire. Et ce juge dit qu'on savait qui fait mon parent de justice, même qui m'opène à la crainte de Dieu, même qui m'opène à aucun égard pour personne. Parce que cette femme peut venir importuner. Mais nous bon Dieu, il n'est pas dire nous ça. Nous, bon Dieu, il y a l'écoute. Le bon Dieu, il soutenir nous dans sa situation-là, dans sa l'épreuve-là. Mais Dieu, dans ce temps, il agir, il répond à nous la prière, frères et sœurs en Christ. Quelquefois, nous, on est très pressés. Nous l'est, comment dire, comment nous peser taquer. La lumière, là, il y a allumé. Mais des fois, il prend les temps, frères et sœurs en Christ. Il prend les temps. Je connais quand Dieu
permettre qu'il nous subisse ban injustice, il permet qu'il nous passe par ban situation difficile, frères et sœurs en Christ, mais c'est juste pour un certain temps. Et tout cela, c'est pour notre bien. Romains chapitre 8, verset 28, beaucoup de chrétiens connaissent ça, là. Nous savons du reste, frères, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire, lorsque Dieu lui permet de ban épreuve dans nous la vie, ban épreuve atteint nous, frères et sœurs en Christ. Mais Dieu lui fait en sorte qu'il y produit un bien à travers ça, l'épreuve là, et il y a quelque chose de bien qui peut arriver. À travers ça, l'épreuve là, il y a quelque chose de bien qui peut sortir de là. Frères et sœurs en Christ, vous devez être un petit témoignage au milieu de ce message. Tu connais, en 2014, un jour, me sortir dans ma salle de bain, me glisser, ma cheville fracturée. À l'hôpital, je peux prier, je dis, Seigneur, fais qu'il n'y ait aucune fracture. Mais quand j'arrive à l'hôpital, ma cheville est fracturée. Il met moi dans une plate. Et le médecin dit, moi, pas bouge les pieds là, parce que je ne suis pas jeune et je suis obligé de prendre beaucoup de précautions. Et quand arrive le temps pour aller à l'hôpital, mon rendez-vous, pour checker si la cheville est prend, eh bien, quand faire sa visite là, guette ma cheville, quel est son état, eh bien, le médecin me dit que oui, ma cheville prend, il peut enlève le plâtre. Très content. Et mon cas, Jésus, tu arrives ça à un moment très important dans la famille, parce que cette époque-là, dans 3 semaines, mon garçon, tu peux mourir. Les enfants disent, pour qu'on me tue, pas pour qu'on me tue. Mais par la grâce de Dieu, je tiens mon plat, mon cheville, il me prend, je retourne à la case, je suis capable d'essayer, prendre beaucoup de précautions, récit, mettre un soulier pour accompagner mon gosse. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Après un mois, je sortis de l'église, mon pied viré. En cours de route, pour aller à l'arrêt d'autobus, mon pied viré. Je continue à marcher. Et quand on arrive à la gare, je n'ai pas 40 dans le bus. Je suis dans le transport. Et mon frère Maurice vient chez moi, amène-moi à la case. Mon frère, il dit, non, à l'hôpital. Je dis, non, quitte-moi la maison. T'as l'air quand Jean-Cyril vient pour amener-moi à l'hôpital. Effectivement, tu penses, un petit foulure. Et quand on arrive à l'hôpital, l'autre côté des pieds, il est fracturé. Ah, je me dis, Seigneur, mais qui peut arriver? Qui faire? À ce moment-là, il y a un frère qui nous portait dans la prière. Et moi, je voyais un petit texto, je lui ai dit comme ça, tu dis quoi, moi, l'autre cheville est fracturée. Et là, il encourage moi avec la parole, il dit, moi, je prie pour toi, mon Seigneur. Et là, il dit, moi, une parole. Il dit, moi, tu connais, si Dieu ne permet d'arriver toi cela, il y a une raison, bon Dieu, envie, causer toi envie, montrer toi quelque chose. Effectivement. Comme on a mis ça là, on commence à prier, et bien, moi en place. Je ne peux rien pour faire. Je prie, je lis la parole de Dieu, je cause avec bonté. Et à ce moment-là, je comprends que pendant ce temps de reste, je passe beaucoup de temps avec bonté. Je suis capable de prier, mais pas ça autant là. Et ce moment qui m'a gagné de reste, là, Lily. Mon capable passe le temps plus encore avec bonté. Et comme on sortit là-dedans, mon la femme plus solide. Mon pan murmurer, mon pan grogner, mon pan dire, mon Dieu, qui peut arriver moi là, qui fait encore moi-même, fini l'autre. Non. Mon arrivé à comprendre cela, frères et sœurs en Christ. Mais comment avant, si mon passeur connaît Jésus, mon tu raisonne comme ça. Frères et sœurs en Christ, parfois, la vie nous pas qu'à comprendre, mais Dieu lui permet ces choses arriver dans nous la vie. C'est pour cela que mon petit Jésus est là. Si Dieu lui permet des choses, parfois, me rencontrer ben, quelqu'un qui dit, combien de problèmes finit l'autre entrée? Comment l'autre finit l'autre entrée? Ah ben, le Seigneur lui permet cela. Et quand nous pouvons sortir dans cette situation-là, quand nous pouvons être en arrière, là, nous trouver comment nous la foi vient solide dans notre Seigneur Jésus-Christ.
Et parce que bon Dieu, il a envie de dire nous quelque chose à un moment-là. Ce soir, frères et sœurs en Christ, tu as passé un moment difficile, tu as capable de tenir une maladie qui peut fatiguer toi, qui peut ronger toi. Mais ce soir, mon vie, dis toi, pas laisse-toi décourager, pas laisse-toi abattre. Cherche la face de Dieu. Continue à prier. Pas dire qui bon Dieu, comment me kanger, ça, mais comment me prier toi. Non. Persévérer, frères et sœurs en Christ, dans la prière. Parce que notre Dieu est un Dieu vivant. Notre Dieu est un Dieu qui a la capacité de répondre à nos prières. Parce que nous, Papa Céleste, c'est un Papa qui prend soin de tous ses enfants. Frères et sœurs en Christ. Oh, donc, nous trouvons que Dieu, il teste nous la foi à travers une difficulté, à travers une situation qui est difficile. Je connais bon Dieu, il se l'étend, il n'est pas pareil comme nous pensons. Parce que la Bible même dit à nous, dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 8, la parole nous dit que 1000 ans, c'est comme un jour pour Dieu, et un jour, c'est comme 1000 ans. Il ne faut pas arriver à comprendre. Et pas oublier que notre Dieu est le maître suprême. Il est le maître suprême, frères et sœurs en Christ. Il est capable d'agir un petit moment, comment nous peut causer, qui nous peut demander. Il n'a la capacité pour faire lui. Il est capable d'attendre quelques jours, il est capable d'attendre quelques mois pour lui répondre, il est capable d'attendre des années pour lui répondre. Mais Dieu est toujours bon. Dieu est un Dieu miséricorde. Il est un Dieu compatissant. Il est un Dieu rempli d'amour, frères et sœurs en Christ. Dans la vie chrétienne, dans la marche avec le Seigneur, il ne faut pas qu'il nous ait nous presser. Nous avons la patience. Nous avons la patience. Un chrétien, nous avons la patience, frères et sœurs en Christ. Nous disons, bon Dieu, nous besoin. Il dit, nous faites connaître vos demandes et nous rendez grâce. Bon Dieu, il pourrait répondre dans ce temps. Parce que notre Dieu est tout puissant, frères et sœurs en Christ. Il ne faut pas oublier ça. Deuxième chose à retenir dans sa parabole-là, c'est que, comme on nous dit à l'heure-là, nous devons toujours persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Premièrement, on nous connaît que Dieu nous pour répondre dans ce temps, mais nous devons persévérer dans la prière. Pas dire, mon fatigué prier. La prière, jamais fatiguer ça. Pas dire, parfois, dans le monde, je un raisonnement, je dis, capable de fatiguer, bon Dieu, prier, nous, bon Dieu, il n'est pas fatigué. L'être humain qui est fatigué, Dieu n'est pas fatigué. Dieu est content quand ses enfants causent avec lui, et dans sa relation là avec lui. Et la prière, nous disons prier à Dieu, au nom de Jésus-Christ, avec foi, avec persévérance, frères et sœurs en Christ. Dieu, il est qui nous persistait. Même si réponse à pape est venue immédiatement, mais il est où l'est qui nous est persévérant. Frères et sœurs en Christ. Et qui fait à Dieu désir cela? Parce qu'il démontrait nous la foi, nous confiance, nous croyance en lui. Il faut dire pas nous la foi, il y a une la foi tangible, les bizaines la foi qui est solide. Frères et sœurs en Christ. Même nous pape trouve situation peut changer, mais nous garde la foi en ce Dieu. Parce que, frères et sœurs en Christ, dans sa situation difficile-là, dans sa temps d'épreuve-là, frères et sœurs en Christ, c'est un moment que Dieu met nous à l'épreuve. Mais il ne faudrait pas nous relâcher. Il ne faudrait pas nous relâcher. Nous devons rester fidèles. Dans Marc, chapitre 13, verset 13, Jésus causait lui-même lui dire, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, nous devons persévérer dans la vie de prière, nous devons persévérer dans la marche chrétienne, nous devons persévérer dans la foi. Dans toutes les situations, nous devons persévérer avec Dieu, frères et sœurs en Christ. Persévérer avec Dieu. Pas relâcher à aucun moment, frères et sœurs en Christ. Rappelle-nous
d'une autre histoire dans la Bible de l'Ancien Testament. Cette femme qui est stérile. Cette femme qui s'appelle Anne. Dans 1 Samuel. Aïe. Cette femme qui se marie, qui s'appelle Elkana, qui s'en a des femmes, Pénina et Anne. Pénina, tu as des enfants. Mais la Bible nous dit que, mais Anne n'en avait point. Dans verset 6, la parole nous dit que sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à sérité de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Est-ce que c'était facile pour cette femme? Non. Ou rival qui peut nogou, peut moque de ou, ou pas peut carguer les enfants. Lui, il y en a beaucoup d'enfants. La vie d'âme n'était pas facile. Elle y tenait une souffrance. Nous, en tant que femme, nous connaissons c'est quoi ça? Elle y tenait une souffrance. Et la Bible dit nous que chaque année, tu peux monter, elle canne avec ceux des femmes, ceux des enfants, monter dans le temple pour le faire des sacrifices. Des années, chaque année, bien longtemps, puis aller comme ça. Et pensez-vous, cette femme, comment elle peut souffrir? Parce qu'il n'y a pas de cadre de se marier les enfants et que la rivale est dans les enfants. Voyez sur en Christ. C'est une souffrance atroce, n'est-ce pas? Une souffrance atroce, mes frères et sœurs en Christ. Mais Anne, quand il monte dans le temple, il commence à prier. Quand il finit manger, il finit boire, il commence à prier, frères et sœurs en Christ. Et la Bible nous dit dans verset 10, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. L'amertume dans l'âme, ce l'âme qui est amère parce qu'il est aigri, parce qu'il est trop souffert avec ban moquerie, avec ban parole violente. Mais même dans ce moment-là, Anne priait bon Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça, comme dans sa situation-là tellement difficile, moi pas qu'à prier. Il fait que tu n'as pas qu'à prier. Tu n'as pas passé l'esprit, écoute-toi. Tu n'as pas passé l'esprit, écoute-toi. Et Jésus dit, quand nous pouvons prier, nous pouvons demander une chose quelconque au Dieu du ciel, en son nom, il y a contre nous. Qui fait que tu n'as pas qu'à prier. Est-ce qu'il y a un petit qu'à prier? Mais Anne, il priait, il verse l'âme devant l'Éternel. Il fait l'Éternel, quelle est sa souffrance? Connaît qui souffrance? Il peut endurer. À tel point qu'il y priait. Right. Et que Élie dit comme ça, femme, fais pas ce divin. Il se croit qu'il y boit une soupe, mais non. Et à ce moment-là, Lydia dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Ah non, mais pas sa qualité là, moi, tu peux mettre moi d'un degré qui n'est pas correct, car c'est l'excès de ma douleur. Ce n'est pas l'excès de vin qui peut faire moi pleurer comme ça, mais c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. La douleur qu'il y a ressenti, sa souffrance qu'il y a là, chagrin qu'il y a là, l'in priait sans cesse à Dieu. L'in priait, l'in causait qui n'est pas le même trouve qui est dans les autres autour de lui, hein, autour d'elle, mais l'in priait. L'in exprime sa souffrance à l'Éternel Dieu. Et à ce moment-là, Élie dit, mais va en paix, que le Dieu exauce la prière que tu lui as adressée. Ouais. À ce moment-là, Élie dit, allez. Bon Dieu, il peut exaucer la prière. Une finette encouragée. Alors, ce soir, frères et sœurs en Christ, je n'ai pas d'une situation, capable de situation là, de plus qui Anne. Je ne connais pas, moi, il y a plus qui la situation d'Anne. Parce qu'il se connaît quand nous pouvons souffrir, nous trouvons une situation tout le temps plus énorme que les autres. Parce que c'est nous qui pouvons faire face. Il se peut que la situation qui te peut vivre est plus énorme que la situation d'Anne. Alors, pas découragé. Pas l'espoir à battre. Pas dire que sa situation là, mon papa a prié. Eh bien, la parole nous donne l'exemple de cette femme Anne. Comment les fines
prier vers l'Éternel Dieu. Pareil comme cette femme, cette veuve qui n'a pas fait injustice parce que l'adversaire peut oppresser, mais il n'a pas quitté. Il continue, il tape la porte de sa juge-là. Il dit, te bisez, donne-moi justice. Frères et sœurs en Christ, est-ce qu'il nous abat quand l'ennemi fait ravage, quand l'ennemi peut attaquer nous? Parce qu'il n'a pas oublié l'ennemi en commun qui est le diable. C'est lui qui vient nous presser nous. C'est lui qui apporte quelque chose pour déstabiliser nous dans nous la foi, pour tirer nous dans ce bon chemin que nous étions. Mais nous pas donner sa priorité, la phrase est sur en Christ. Nous restons toujours accrochés à notre Seigneur Jésus de tous les cœurs et nous persévérer dans la prière, frères et sœurs en Christ. Mes frères et sœurs en Christ, toute cette équipe qu'il a chaque semaine après semaine, nous rencontrer ensemble ce site pour louer le Seigneur, pour entendre la parole de Dieu et pour prier pour eux. Parce qu'il nous pas perdu nous les temps, nous. Parce qu'il nous n'a le désir, nous n'a ce désir à cœur pour prier pour eux. Nous n'a ce désir à cœur pour tenir nous à la brèche devant le Seigneur. Parce qu'il nous les accompagne autres dans sa situation qu'ils autres peuvent faire face là. Nous épaules autres dans notre demande. Et que Dieu intervenir dans notre la vie. La porte qui nous fermait, bon Dieu, elle est ouverte. L'ennemi, quand il caille nos chaînes, Dieu les pour briser ses chaînes. Les rendre autres libres, frères et sœurs en Christ. Alléluia. Alors, ce soir, mon message, c'est ça. Pas décourager, mais persévérer. Persévérer, frères et sœurs en Christ. Nous devons continuer à crier vers Dieu avec foi. Tout comme Anne, tout comme cette veuve, frères et sœurs en Christ. Et quand Anne est sentie dans la présence de Dieu, quand il finit de prier, la Bible dit à nous comme ça, cette femme s'en alla et elle mangea et son visage ne fut plus la même. Ce visage pas pareil comme quand il rentre dans le temple. Ce visage c'est un moti long, ce visage c'est un moti triste. Là, il sortit dans la présence de Dieu. Et il y a une transformation. Eh bien, frères et sœurs en Christ, quand je viens dans la présence de Dieu avec toute cette situation, dévide ça devant lui. Jésus dit comme ça, toi qui es chargé, toi qui es fatigué, toi qui es un fardeau, dépose-y à mon pied. Me donne-toi mon joug qui est léger, dit Jésus. Et quand je viens dépose ça au pied de Jésus, frères et sœurs en Christ, l'assurance rentre dans votre équerre, la paix rentre dans votre équerre, je t'ai une sérénité au-dedans de ça. Parce que le Seigneur Jésus, il prend soin, il a l'écoute, mais il pourrait pas dans son temps. Nous visons à la patience, frères et sœurs en Christ. Et il ne faut pas que nous doutions. C'est ça l'erreur des chrétiens. Parce que quand nous prions, nous posons question, nous doutons. Est-ce que bon Dieu entendait? Est-ce que bon Dieu pourquoi a fait ça? Mais quand nous doutons, ça veut dire que nous pouvons dire, oh bon Dieu, tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable, tu n'es pas capable de faire. Et quand nous faisons nos prières, nous faisons la prière de la foi. Et la prière de la foi, frères et sœurs en Christ, sans jamais douter. Right. Frères et sœurs en Christ, ce soir, c'est ça mon exhortation. Si peut-être, et n'a pas mis nous, peut prier pour un camarade, pour un proche, pour que le Seigneur, pas découragé, continue à prier, et Dieu, dans son temps, il peut toucher le cœur de la personne. Pareil comme nous pouvons prier ta l'air. Je suis malade, je suis dans la bonne situation, envoie les autres requêtes. Nous là pour nous prier pour eux, pour nous épauler eux, nous soutenir eux, nous accompagner eux. Et Dieu, il répond. Ou, s'il y en a quelqu'un parmi nous ce soir qui peut écouter ce message, ou peut-être il a une difficulté pour lui sortir, il finit dans une mauvaise habitude, il est capable, il a une tentation qui ça se faiblesse et qu'il n'est pas pécard sorti, mais continue à prier, demande Dieu pour délivrer toi, pour tirer toi dans sa situation là, parce qu'il a des gens capables pour t'en jouer, encore fumer, encore boire. Mais qui peut envie sortir là-dedans. Mais mon frère, mon sœur, ce soir,
mon courage toi pour qu'on t'y prie, demande à Dieu de t'aider pour t'y aider toi dans sa l'enfer là, dans sa situation que tu finis rentrer là, sa mauvaise habitude qui finit rentrer dans toute la vie. Qu'on t'y prie, mon Dieu, lui pour t'y aider toi là-dedans. Pas abandonner. Pas abandonner. Au bon moment, Dieu lui pour répondre à te demande, à ta requête, frères et sœurs en Christ. Et là, dans ce chapitre Luc 18, qui me lit, allez là, ce texte qui me prend, hein, cette femme, et la parole nous dit dans le dernier verset, est-ce que quand le Fils de l'homme lui pourrait tourner, est-ce qu'il lui trouve la foi sur la terre? C'est pour cela qu'il nous vient persévérer dans nous la foi. Nous vient persévérer dans nous la marche avec le Seigneur. Est-ce que Dieu, quand il pourrait tourner très bientôt, nous tous nous connaissons que le Seigneur il pourrait tourner bientôt, nous tous nous avons cette espérance, nous croyons dans cette parole, amen, que Jésus il pourrait tourner bientôt. Est-ce que quand il pourrait tourner, il peut trouver ben hommes, quand nous peut dire hommes, c'est-à-dire ben femmes aussi, est-ce que nous peut toujours persévérer dans la prière avec Jésus? Hein, qui nous donne sens le chemin, de toujours persévérer avec Jésus, est très important. Alors, frères et sœurs en Christ, ce soir, pour l'exhortation, qui nous capable de persévérer dans nous la foi, nous persévérer dans la prière, nous pas relâcher à aucun moment, qu'importe, nous redire encore ces situations-là, les comme une montagne, par guette so grandeur. Pas guette montagne, là, que te lisez physique, guette lié avec te lisez spirituel, parce que notre Dieu, il est le Dieu qui peut intervenir. D'ailleurs, il dit à nous, si tu as la foi une grossière, la grande moutarde, tu es pas capable de dire sa montagne là, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. À plus forte raison, quelle est la grandeur de ta foi? Quelle est la grandeur de ta foi, frères et sœurs en Christ? Alors, restons fidèles, pas les autres découragés, persévérez dans la prière, parce qu'ils n'êtes pas pour perdants. Vous n'êtes pas pour perdants quand vous marchez sincèrement, fidèlement avec le Seigneur. Parce que Dieu, il est bon, il est pour exauster demande, mais dans ce temps, Dieu est toujours disposé pour écouter nous. Bon Dieu, il n'est pas dit à nous, il est fatigué. Il est disposé pour écoute-nous la prière, écoute-nous demande. Alors, pas désespérer, mais toujours persévérer dans la prière, dans la marche avec le Seigneur. Alors, ce soir, moi, vite, tout bon frère, en Christ qui peut écouter nous ce soir, te donne une situation, envoie ta requête, toute l'équipe est là pour nous capables d'intervenir, nous prier, nous faire la prière de la foi ensemble avec toi, et Dieu, il pour répondre toi dans son temps. Ne sois pas impatient, sois patient avec Dieu. C'est une des facettes qui font partie du neuf fruit de l'esprit, Galates chapitre 5, verset 22. Amen. Papa, nous disons merci ce soir pour ta parole. Ta parole, Seigneur, qui encourage nous pour persévérer dans la prière, à ne pas se relâcher à aucun moment. Et Seigneur, mon prier que ce soir, Seigneur, tous tes enfants qui finissent à l'écoute, Seigneur, ces quelques paroles, Seigneur, les qu'a fortifié eux, encourage eux, Seigneur, pour les autres regards, eux lisiez, fixez-leur toi, Jésus-Christ, toi qui es le chef, le consommateur de nous la foi. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, merci pour la parole de Dieu qui nous fait entendre ce soir. Et cette parole qui encourage nous, cette parole qui fortifie nous. Et cette parole qui aussi est fortifiée chacun de nos frères et sœurs qui dans une situation difficile. Merci Seigneur notre Dieu parce que vraiment comment Pasteur Lula fait partager d'un Dieu qui écoute nous la prière. Et ce soir, nous, d'un commun accord, et te parole de nous dans Matthieu, chapitre 18, et le verset 19, si nous sommes d'accord, la terre pour demander bon Dieu n'importe qui quitte chose, si dès que nous sommes d'accord,
et nous plus quitter. Nous avons des milliers de personnes qui à travers le monde pour prier pour toi, mon frère, mon soeur. Amen. Et qui, parce que bon Dieu, il t'en tout nous la prière. Amen. Seigneur, papa, nous prions toi. Parce que tu es grand, parce que tu es bon, parce que tu es admirable, parce que tu es suprême, tu es puissant. Et pour toute la main puissante de sa plateforme de prière là ce soir. Oh, Ramakablou, il y a des méchants là-bas. Seigneur, cet esprit prend tout contrôle. Tu m'as, tu ne finis, amène-nous dans les chants, tu amène-nous dans, dans la parole de Dieu. Tu amène-nous, Seigneur Dieu. Et ce soir, oh, Ramakablou, il y a des méchants là-bas qui sont capables de saisir chacun de tes pensées. Oui, Seigneur Dieu. Et aussi qui te met l'assurance qui peut manifester dans sa place là, dans sa plateforme là, dans les familles, dans chaque personne qui peut atteindre une intervention dans toute la vie, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous prions comment nous sert Rosemée, puis demande prier, oui, Seigneur, pour Papy Claude. Oui, Seigneur. Et Papy Claude, nous pas qu'une quantité qui les taille était aujourd'hui, mais toi qui trouves tout, trouves pas tout. Et ensemble avec Rosemée, nous prier. Et nous demandons de faveur. Et Papy Claude, il peut besoin de toi, Seigneur. Il peut besoin de la main puissante, Seigneur. Et nous connaît qui te parle loin. Te parle loin, toi. Quand là, fin rassembler, comme les vérants fin dire tout à l'heure là, quand nous nous rassembler de sa plateforme de prière, et deux, trois fin rassembler, t'es au milieu de nous. Seigneur Dieu, réponds à la prière des Rosemées. Réponds à ce cri pour Papy Claude. Et ne lève Papy Claude devant toi, et qui te toque tous les. Oui, Seigneur Dieu, prends contrôle de ce lame, de ce liqueur. Oui, Seigneur, ne pas connaître l'état d'âme, ne pas connaître qui lui pensait, Seigneur Dieu. Mais toi, Dieu, tu es celui qui convainc, tu es celui qui agit. Et libère-lui de tout mal qui peut partir, de tout ce qui peut troubler lui. Oui, Seigneur, agir par toute la grâce. Et nous prions aussi, Seigneur Dieu, que ma Oriane qui demande prier pour ce genou, ce cartilage et qui touché, qui est malade. Oui, Seigneur. Et nous pouvons faire l'opération. Mais toi, tu es le Dieu qui est un Dieu grand, un Dieu merveilleux, qui te capable de prier de toi-même. Et oui, Seigneur Dieu, qui est capable de refaire ce genou. Régénère ce genou, régénère ce jointure, régénère ce ben la moelle, régénère ce l'écho, au ramakablou, il y a des chants là-bas, et guéris, Seigneur. Oh, par ta puissant Dieu, oui, Seigneur, nous prions toi, et qui te fait les grâces dans le nom puissant de Jésus. Et nous prions aussi, Seigneur Dieu, alléluia, pour tous ceux qui n'ont ben l'opération pareille, il n'a plus à le faire. Et que mon pense Marie-Josée, monsieur Marie-Josée, qui n'a pas attendu longtemps pour capable faire une opération de sur les pieds. Et Seigneur Papa, nous prions toi. Comment les peines mort pour capable marcher, oui Seigneur, dans ce moment. Et nous prions qu'il soit capable de tous les, Seigneur Dieu. Et quand c'est tout servant, qui est content de toi, content de louer toi. Mais là, pour ce moment, il est loin de l'église. Il n'est pas capable, à cause de ça, il n'est pas capable de rembourser. Bien, Seigneur. Mais nous demandons-toi de faire des grâces, Seigneur. Oui, Seigneur Dieu. Fais des grâces. Parce qu'il n'est pas parti pour celle l'habitude qui parvient de l'église. Et tu es content sur l'église. Content dans ta présence. Content la cellule. Mais ce soir, Seigneur Dieu, manifestez ta faveur envers lui. Et guéris-lui. Au nom de Jésus-Christ. Et nous pensons à tous ceux qui, même situation, même problème, qui se peut gagner avec les pieds, avec ce genou. Oui, Seigneur Dieu, tu es le Dieu qui guérit,
Oui, Seigneur. Et nous pensons à tous ceux qui peut-être peuvent faire une opération pareille, qui sont dans le doute, je ne sais pas connaître qui peut arriver. Mais Père, je te grâce, Seigneur Dieu. Oui, porte la grâce. Oui, Seigneur, comment Timothée appelle nous pour prier pour tous les hommes, Seigneur. Nous prier pour tous ceux qui dans l'état, cet état-là. Et que là, je pénale l'ascenseur, je peux monter, monte l'escalier. Et oui, Seigneur Dieu, nous demande-toi, Seigneur, agir par ton amour, Seigneur Dieu. Et nous prions aussi, Seigneur Dieu, oui, Seigneur, pour Marie-Claire qui demande prier pour Josette. Josette qui ne gagne concession. Et certainement, Seigneur Dieu, lui bientôt un miracle dans la vie. Pour qu'il te remette sur les pieds, sur les côtes, sur la main, sur la bouche. Oui, Seigneur Dieu, sur les côtes capable de retravailler normalement. Et tout ben blocage qui finit là. Oui, Seigneur, tout ben problème qui sa congestion l'enfer, qui avait sur la bouche, sur l'écho, sur ben membre de l'écho. Même demande de faire grâce quand tu as tout capable de redonner. Oui, Seigneur, Josette, oui, c'est tout capable de relever, Seigneur, guérir totalement. Porte la grâce. Après qu'il est capable de mourir pour toi. Après qu'il est capable de servir toi. Raconte tout merveilleux, Seigneur Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous prions, Seigneur, afin que nous cartons, M. Josette, nous capables de marcher, par de la grâce, Seigneur Dieu. Et nous accordons aussi à Patricia Mary, et qui peut demander de prier, oui, pour lui. Oui, Seigneur Dieu, quelle que soit ta situation, ma sœur, quel que soit ton problème, rappelle que Dieu est le plus grand que tout ça peut revenir. Seigneur, que la lumière luise dans la case, luise dans la vie. Que de la lumière, Seigneur, ni briller, Seigneur, au ramakababashi. Et me commande la guérison dans la vie. Comment oui, Seigneur, de puissance, Seigneur Dieu. Orabakababashi, nablo, nalaba. Oui, Seigneur, nous déclarons, Seigneur, les bienfaits de Dieu dans la vie. Nous déclarons au nom puissant de Jésus. Oh oui, Seigneur, qui Patricia pour n'est plus pareil. Oui, Seigneur, nous prions toi. Et nous prions aussi, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, comment dit Benman, prier aussi pour Rose. Oui, Seigneur Dieu, nous prions, Seigneur, pour Rose. Oui, Anicette, Seigneur. Oui, Seigneur Dieu, manifeste-toi la grâce. Manifeste-toi puissance, Seigneur Dieu. Comment Rose peut demander, oui, Seigneur, prier pour Marguerite. Oui, Seigneur, prier, oui, Seigneur, pour, oui, Seigneur, pain qui, oui, Seigneur, arrêter de souffrir de ma douleur. Oui, Seigneur, dessous les bras. Seigneur, pose-toi la main au lit. Oui, Seigneur, papa. Porte la main. Tous les ce soir. Tous les Seigneur. Agis pour ta puissance, Seigneur Dieu. Agis, Seigneur Dieu. Oh oui, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus, nous commandons tout ça mal là quitte l'y aller. Au nom puissant de Jésus. Oui, toute douleur quitte l'y maintenant même. À l'instant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prier pour toute la grâce, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Nous prions aussi comment Marie-Louise, oui, Seigneur, peut demander de prier, oui, Seigneur, qui, Seigneur Dieu, est capable d'écouter sur la prière. Oui, Seigneur Dieu, et agir, Seigneur. Oh, Papa, oui, accorde-lui, oui, Seigneur, la guérison divine. Accorde-lui la guérison. Père, donne Marie-Louise qui peut demander. Il peut demander un qui soit qui toi-même te content qu'il nous bien comme ça. Donne ça la prière là. Ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous donne et nous déclarer par la puissance de ton nom Jésus qui est guéri au nom puissant de Jésus.
qui maintenant même tout esprit d'infirmité, tout esprit qui est capable de troubler lui. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, tu renverses le mal sur la vie. Tu renverses tout ben plan du diable contre lui. Oui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour la puissance de ton nom, Jésus. Nous prions toi, Seigneur Dieu. Seigneur, nous pensons aussi à ceux qui sont malades à l'hôpital, à ceux qui ne sont pas bien en ce moment. Nous pensons, Seigneur Dieu, oui, Seigneur, Alain, Seigneur Dieu, pose la main au lit. Au rabakababashi. Pose la main, Seigneur Dieu. Fais-lui grâce, mon Dieu. Fais-lui capable de sortir pour venir raconter tes merveilles. Venez, Seigneur, pour dire ce qui tu étais, Seigneur Dieu. Comment tu allais nous chanter, Seigneur. Oui, Seigneur, great is our God. Alléluia. Au rabakababa. Tous, Marie-Louise, Seigneur, écoute-les, Seigneur, guéris-les totalement dans le nom de Jésus. Tous, Seigneur Dieu, oui, Seigneur, aussi par moi, nous pouvons prier de tous, Seigneur Dieu, Alain, Seigneur, de tous, Seigneur Jésus, Marilyn, Seigneur, de tous, Marilyn, Seigneur, de tous, Lise, Seigneur, oui, ce soir, tous, guéris-les, Seigneur, de toute la fièvre, de toute la grippe, oui, au nom puissant de Jésus, tous, Pierre, Seigneur Dieu, oui, Seigneur, tire-lui là côté de ce problème, cette maladie. Oui, Seigneur, au nom de Jésus, sasse-le, cette maladie. Comment, oui, pasteur Eric Pindy, Seigneur, vous servirez, Éternel. Je bénirai vos pains, je bénirai vos eaux, je loirai la maladie du milieu de vous. Éloigne la maladie de Pierre. Éloigne la maladie de sa femme. Éloigne la maladie de sa famille. Oui, Seigneur, au nom puissant de Jésus, Seigneur. Nous demandons ta guérison, le Pierre, le Jane, le, oui, Seigneur, le tous ceux qui sont capables de souffrir dans ce moment. Oui, Seigneur. Oui, Marilyn, Marty, Seigneur Dieu. Nous prions de la main puissante de guérir. Puis, agir, Seigneur. Oui, non, il est possible à toi, Seigneur. Nous connaissons qui toi-même, qui est plus grand opérateur, même plus grand Syriasien qui est là, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous prions toi. Oh oui, Seigneur, toi-même, Seigneur, qui, oui, Seigneur, qui est capable de mettre nouveau les reins à ceux qui peuvent faire dialyse. Et nous pensons aussi à Tico, Seigneur Dieu. Oui, côté de Yalon, là-bas, côté de porte la main, bon Dieu, nous dit. Fais-lui grâce. Oui, Seigneur. Fais-lui accorder la vie pour les trous. Encore des grandes choses dans la vie, sur famille, sur nos enfants, Seigneur. Oh oui, dans le nom de Jésus. Nous prions toi. Et pose la main, Seigneur Dieu. Pose la main, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Aussi, le Margaret, Seigneur. Tous les, toute sa famille. Tous, oui, Seigneur. Sa fille Isabelle, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur Dieu. Toute sa famille, Seigneur. Tous ce mari, Seigneur. Tous ce petit-fils, Seigneur. Oui, Seigneur. Manifeste-toi dans toute la vie, Seigneur Dieu. Et guéris-nous, Seigneur, Seigneur, totalement. Guéris-nous, Seigneur. Oui, Seigneur, Marie-Claire, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur, totalement. Oui, Seigneur, appelle, capable, ni lève, pour lever, Seigneur, pour représenter, Seigneur, ce cellule, Seigneur Dieu, avec la famille, Seigneur, avec tous ceux qui dans la cellule qui était, Seigneur Dieu. Nous prions toi, Dieu. Fais grâce, Seigneur, fais grâce. Papa, nous prions toi. Et nous pensons aussi à Suzy, qui aussi fait dialyse. Nous demandons tout faveur, Lodi. Nous demandons la grâce, Lodi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ces personnes aussi. Oui, Seigneur, comme Patrick qui vient à l'église dimanche, il vient aujourd'hui, Seigneur. Libère-lui, Seigneur. Oui, Seigneur, qui vraiment est capable d'être libéré totalement de tout ce qui lui dominait. De tout ce qui lui peut dominer, pas capable, n'est pas capable de contrôler lui-même. Mais ce soir, Seigneur Dieu, nous réclame ce délivrance, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus. Et nous rends-toi gloire aussi pour Matisse, qui est ce grand-mère, nous demande prier pour lui. Oui, Seigneur, afin qu'il vraiment, Seigneur, il est vraiment, il n'est pas bien un père. Oui, Seigneur Dieu, mets-toi avec lui, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, comment tu nous fais miracle dans cela vie? Oui, Seigneur, tu peux montrer, tu peux protéger tout le temps. Oui, Seigneur Dieu. Et bénis-les, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire, Jésus.
Nous bénis toi, Seigneur, ce soir. Ton nom est béni, béni. Alléluia, Seigneur. Et me pense aussi à mon frère Teddy, qui est malade en ce moment. Nous demandons-toi, guéris-lui de sa maladie. Te tousse-lui, te tire-lui de sa lilière qui est capable d'élever morcé. Oui, porte la grâce. Ainsi que mon frère Harold, qui se plaît capable de guérir totalement par la puissance de ton nom, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Alléluia. Nous continuons à prier, frères et sœurs en Christ. La parole de Dieu dit à nous dans 3 Jean, au verset 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, ainsi que prospère l'état de ton âme. Le Seigneur Jésus, par ses meurtrissures, par ce l'œuvre sur la croix, il venit pour restaurer chacun d'entre nous, pour un nous complet. C'est en lui qu'il nous a la vie. Et dans le livre de Colossiens, il dit que tout a été créé par lui et pour lui. Et vraiment, nous sommes le peuple de Dieu, frères et sœurs. C'est à travers l'Église, quand l'Église priait, vraiment, il y a quelque chose qui est arrivé parce que nos papas célestes, l'IP écoute la prière de ses enfants. Et c'est avec cette confiance-là qu'il nous capable venir et nous capable présenter les requêtes de nos bonnes frères, de nos bonnes sœurs devant l'Éternel, notre Dieu. Seigneur mon Dieu, ce soir, Seigneur, nous venons devant toi. Pas, Seigneur Dieu, en notre propre justice, Seigneur Dieu. Pas à cause de ce qu'il nous finit faire, mais à cause, Seigneur Dieu, de ce que ton Fils, Seigneur Dieu, l'inaccomplit. Nous, Seigneur Dieu, nous avons cette libre accès à toi, Seigneur mon Dieu. Vraiment, pour apporter, Seigneur Dieu, toutes sortes de requêtes, Seigneur, toutes sortes de supplications et de demandes, Seigneur mon Dieu. Nous capables de venir vers toi, Seigneur mon Dieu. Nous capables de confier toi, Seigneur Dieu, tout nous fort de comment nous tendez ce soir, Seigneur. Merci pour ta parole d'encouragement, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur Dieu, qui est vraiment fin dit à nous, Seigneur, qui ne t'a pas fatigué, Seigneur Dieu, pour t'anne, Seigneur Dieu, nous la prière, nous bat requête, Seigneur mon Dieu, parce qu'il te contente, bons enfants, Seigneur. Et ce soir, Seigneur Dieu, me remercie toi, Seigneur, pour Stéphanie, Seigneur, qui lui demandait, Seigneur mon Dieu, prier pour sur la famille, pour ce bon enfant, Seigneur, afin qu'ils deviennent à la connaissance de toi, Seigneur Jésus. Papa, Seigneur, nous rappelle, Seigneur Dieu, dans la prison, Seigneur, que le geôlier, Seigneur, il peut demander, mais comment appeler Silas, comment il peut faire pour être capable, Seigneur mon Dieu, être sauvé. Il dit, crois en notre, il est là, Seigneur, ces hommes de Dieu, dit, crois en le Seigneur Jésus, et toi et ta famille, vous serez sauvés. Seigneur mon Dieu, il emmène ce banc de la famille pour venir écouter, pour venir goûter, Seigneur Dieu, à la bonté de Dieu. Seigneur, il finit déclarer parce qu'il finit témoigner, Seigneur mon Dieu, il emmène ce la famille. Et ce soir, Seigneur mon Dieu, nous prier, Seigneur Dieu, qui vraiment Stéphanie, Seigneur, quand il tente de paroles, Seigneur, qu'il est capable aussi témoigne de ta bonté, Seigneur, témoigne de ton amour, qu'il est capable de faire l'expérience, Seigneur Dieu, de ta bonté, de ton amour, de ton compassion, Seigneur mon Dieu, de Jésus-Christ dans cela vie, afin qu'il est capable raconte cela, Seigneur. Papa, me prier, Seigneur mon Dieu, qu'il ait cœur de sa ben, la famille, Seigneur mon Dieu, de ce ben, enfant, de son époux, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu envoies ton Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, pour capable, Seigneur mon Dieu, ouvrir ben, le chemin, Seigneur mon Dieu, ou à notre sœur, Seigneur mon Dieu, pour qu'il est capable, Seigneur Dieu, prier en toute confiance, Seigneur Dieu, que toi, Seigneur mon Dieu, tu ne finis dire, Seigneur, toi et ta famille, vous serez sauvés. Et Seigneur mon Dieu, pour ouvrir un chemin, Seigneur, pour donner le zèle, Seigneur Dieu, pour témoigner pour toi, Seigneur. Papa, vraiment, Seigneur Dieu, que je demande, Seigneur Dieu, que je te passe, Seigneur Dieu, pour amener à l'église, Seigneur, pour entendre tes paroles, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, te mettre devant eux, Seigneur Dieu, une opportunité, Seigneur Dieu, pour t'en parler de l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur mon Dieu, ce qui est très, très important, il nous connaît, Seigneur mon Dieu, c'est une question de vie éternelle, Seigneur mon Dieu, que lié avec la famille, Seigneur Dieu, je te connais toi, Seigneur Dieu, qu'ils te servent toi, Seigneur mon Dieu, et qui vraiment, Seigneur mon Dieu, je te aller dans une foi, Seigneur Dieu, qui est plus fort, Seigneur Dieu, de jour en jour, qu'ils soient capables vraiment croître, Seigneur mon Dieu, en la connaissance de qui Jésus est dans la vie, Seigneur mon Dieu. Papa, te dire dans tes paroles, Seigneur mon Dieu, que tu es le chemin. Jésus, tu es la vérité et tu es la vie. Seigneur mon Dieu, vraiment, Seigneur Dieu,
Montre-toi, Seigneur, révèle-toi-même, Seigneur Dieu, à cette famille, Seigneur mon Dieu, et à bien d'autres familles, Seigneur mon Dieu, à toutes ces familles, Seigneur Dieu, qui peuvent prier, Seigneur Dieu, pour que, Seigneur, ceux qui sont contents, Seigneur mon Dieu, soient sauvés, Seigneur. Et ce soir, Seigneur mon Dieu, nous élève, Seigneur Dieu, cette prière, Seigneur Dieu, devant toi, Seigneur, et nous remercie toi, Seigneur Dieu, qui te paie, écoute-nous la prière, Seigneur mon Dieu, et qui vraiment, Seigneur Dieu, te agit, Seigneur mon Dieu, parce qu'il y a urgence, Seigneur Dieu, pour que les gens entendent parler, Seigneur Dieu, de toi, que les gens soient sauvés, Seigneur mon Dieu, que les gens te connaissent et que leur vie soit transformée, Seigneur mon Dieu, parce qu'à part de toi, Seigneur Dieu, il n'y a aucune autre solution, Seigneur, et vraiment, Seigneur mon Dieu, nous remercions toi, Seigneur Dieu, pour cette prière, Seigneur, pour cette intercession, Seigneur mon Dieu, nous pouvons débouter dans la brèche, Seigneur Dieu, encore, Seigneur mon Dieu, et nous pouvons persévérer, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, pour nos frères, Seigneur Dieu, Clifford, Seigneur mon Dieu. Et ce soir, Seigneur Dieu, lui envoyer une requête, lui demander, Seigneur Dieu, pour qu'il nous soit capable de prier, Seigneur Dieu, mon Dieu, pour te capable, emmène te guérison, envoie te guérison, que tu dis, Seigneur Dieu, ta parole, Seigneur, toi envoie te parole, et te guéris, Seigneur. Et ce soir, Seigneur Dieu, nous prier dans le nom de Jésus, te affirmer ce muscle, Seigneur Dieu, tous les membres de ce l'écho, Seigneur mon Dieu. Papa, la coordination de ces membres, Seigneur mon Dieu. Peut-être qu'ils s'en tiennent faibles, Seigneur mon Dieu. Mais papa, nous prier, Seigneur Dieu, qui t'envoie et te Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu. Ce même Saint-Esprit qui ressuscite Jésus d'entre les morts. Seigneur mon Dieu, qui t'envoie et te Saint-Esprit pour vraiment, Seigneur Dieu, oindre nos frères, Seigneur mon Dieu. Pour encourager les, Seigneur Dieu, dans ce l'esprit, Seigneur mon Dieu. Qui vraiment le Saint-Esprit, lui vive en lui. Qu'il est le temple du Saint-Esprit, qu'il a été racheté par un grand prix avec le sang précieux de Jésus et qui vraiment est capable d'invoquer le sang de Jésus. Et nous ici, nous invoquons le sang de Jésus. L'on nous fait Clifford, Seigneur mon Dieu. Et ce soir, Seigneur Dieu, nous commande, Seigneur, au nom de notre Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, nous commande sa bande muscle, Seigneur Dieu. L'y affirmer, Seigneur mon Dieu. L'y revitaliser, Seigneur mon Dieu. Papa, Seigneur Dieu, qui tout bande ligament, Seigneur mon Dieu. Tout la veine, Seigneur mon Dieu, les sanctifier, Seigneur mon Dieu, les purifier, Seigneur Dieu, et les fortifier, Seigneur notre Dieu. Papa, te jette un regard, Seigneur mon Dieu, de compassion, Seigneur mon Dieu, envers nos frères, Seigneur. T'encourage-les, Seigneur, à travers le Saint-Esprit, de l'Esprit consolateur, l'Esprit qui encourage, Seigneur, l'Esprit qui vivifie. Et Seigneur mon Dieu, vraiment, Seigneur, t'entoure les fautes, Seigneur Dieu, de chants de délivrance, Seigneur Dieu, ce soir, Seigneur. Seigneur Dieu, c'est en ton nom, Seigneur Dieu, que nous vînons devant toi, Seigneur Dieu, et qui vraiment nous adresse à la prière, là, Seigneur Dieu, pour notre frère Clifford, Seigneur. Papa, le malheureux, Seigneur Dieu, lui crie vers toi, Seigneur, et toi, Seigneur Dieu, te délivrer, lui, Seigneur mon Dieu. Et vraiment, papa, me prier, Seigneur Dieu, te soutenir, Clifford, Seigneur Dieu, dans cela foi, Seigneur. Papa, te connais ses efforts, Seigneur mon Dieu, te connais, Seigneur Dieu, à qui point, Seigneur Dieu, lui place confiance en toi, Seigneur. Et ceux qui placent confiance en toi, Seigneur mon Dieu, te pas pour les yeux tomber, Seigneur mon Dieu, parce que tu es un Dieu qui est fidèle, Seigneur, te fidèle à ta parole, te fidèle à tes promesses, Seigneur mon Dieu, et te vraiment, Seigneur, te prends compte de tout ban la prière, Seigneur Dieu, qui montait vers toi de nulle part, Seigneur. Et Clifford, me prier, qui te capable de crier vers Jésus, qui te capable de crier, te dire, Jésus, sauve-moi tous les autres, fortifie-moi, Jésus, entoure-moi, Seigneur Jésus, de l'amour, de te la paix, de te la joie. Oh, Seigneur mon Dieu, me prier, Seigneur mon Dieu, qui te ministre, Seigneur Dieu, te ministre, Seigneur Dieu, à Clifford ce soir. Seigneur mon Dieu, qui est capable, Seigneur Dieu, connais, Seigneur Dieu, dans ce l'équerre, Seigneur, qui toi avec lui, Seigneur Dieu, tu de ce côté, Seigneur mon Dieu. Si Dieu est avec toi, Clifford, qui peut être contre toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur mon Dieu, vraiment me remercie toi, Seigneur Dieu, pour Marie-Claire, Seigneur Dieu, qui lui demandait, qui nous capable à coder ensemble avec lui pour nous prier pour Jean, qui pas senti-lui bien dans ce l'écho, dans ce l'esprit, dans son âme. Et comment tout à l'heure, là, nous fait dire, Seigneur, mon Dieu, c'est dans ta volonté, Seigneur, et c'est pour ça, Seigneur, que nous louons notre Seigneur Jésus pour l'œuvre finie sur la croix, Seigneur, et nous connaissons, Seigneur, que par tes meurtrissures, Seigneur Dieu, nous avons été guéris, nous sommes guéris, Seigneur.
Seigneur mon Dieu. Nous sommes sauvés, Seigneur mon Dieu. Et nous remercions toi, Seigneur Dieu, ton envie, Seigneur mon Dieu, te désire que chacun d'entre nous, qui nous bien, Seigneur mon Dieu, c'est l'œuvre de la restauration, c'est l'œuvre de la délivrance, Seigneur mon Dieu. Et ce soir, Seigneur Dieu, nous élève nos frères Jean devant toi, Seigneur. Papa te connaît, Seigneur Dieu, quelle est la source, Seigneur mon Dieu, de ce problème, Seigneur mon Dieu. Dieu, Seigneur mon Dieu, toi, tu sondes, Seigneur mon Dieu, tu es notre Créateur, tu connais toutes choses, Seigneur mon Dieu. Et vraiment, Seigneur Dieu, nous demande-toi, Seigneur Dieu, Seigneur, accorde ta grâce, Seigneur Dieu, accorde la guérison, Seigneur Dieu, à nos frères Jean, Seigneur mon Dieu. Surtout, Seigneur Dieu, te révèle, Seigneur Dieu, des choses cachées, Seigneur Dieu. Comment nous crier vers toi, Seigneur Dieu. Et comment nous ici nous crier vers toi, Seigneur mon Dieu. Te révéler, Seigneur mon Dieu. Afin, Seigneur Dieu, qui te parole, Seigneur Dieu, les vignes à Jean, Seigneur. Et qui vraiment, Seigneur Dieu, la vérité, Seigneur, qui les pour tendre de te parole, les pour râler libre, les pour libérer, Seigneur. Papa, me prier, Seigneur Dieu, que ce soit, Seigneur Dieu, qui Jean, s'il me finit entendre te parole, Seigneur, qui vraiment, Seigneur, est capable de continuer à persévérer dans la prière. Et Seigneur, mon Dieu, qui lui priait vers toi, Seigneur, lui criait vers toi, Seigneur. Et toi, Seigneur Dieu, t'envoie tes paroles, Seigneur. Te guéris-lui, te restaure-lui, Seigneur Dieu. Corps, âme et esprit, Seigneur, parce que telle est ta volonté, Seigneur, mon Dieu. C'est cette rédemption, Seigneur, tu es venu pour sauver nous, Seigneur. Ceux qui sont perdus, Seigneur Dieu, tu es le bon berger, Seigneur. C'est toi qui conduis nous dans les verts pâturages. C'est toi qui ramène nous là que nous égarés, Seigneur. Et vraiment, Seigneur Dieu, dans son égarement, Seigneur, ramène notre frère Jean, Seigneur Dieu. Seigneur, ramène avec ta houlette, Seigneur mon Dieu, avec ton bâton, que ta bienveillance, Seigneur mon Dieu, soit vraiment, Seigneur Dieu, sur notre frère Jean, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions toi, Papa, accorde-nous, Seigneur mon Dieu, ce que nous te demandons, Seigneur, pour notre frère, Seigneur Dieu, ce soir, Seigneur. Alléluia. Seigneur mon Dieu, il y a Seigneur Dieu, Ignace qui peut demander pour prier pour Marie-Louise, pour la guérison, pour la famille aussi, et qui Joël demande la prière, et aussi Antonio qui demandait pour prier pour la prière également, Seigneur, et pour Giovanni également. Seigneur mon Dieu, toi te connais, Seigneur Dieu, ces gens qui nous font laisser un message, Seigneur mon Dieu, pour qu'ils nous capables d'accompagner dans la prière, Seigneur. Papa, la prière du juste, Seigneur Dieu, lui donne grande efficacité, Seigneur mon Dieu. Papa, Seigneur Dieu, même s'il nous peine sa quantité de détails là, Seigneur Dieu, l'oseux de Seigneur, mais nous connaît et n'a pas besoin, Seigneur, parce qu'il, Seigneur mon Dieu, je ne fin envoie des messages. Seigneur mon Dieu, et ce soir, Seigneur mon Dieu, cet esprit de Dieu éclaire, Seigneur Dieu, éclaire nous pour nous capables de prier, Seigneur Dieu. Karababara shanto koro bobora shanta karababa shanto koro bobora shanto koro bobora shanto koro bobo. Seigneur mon Dieu, me prier ce soir, Seigneur mon Dieu, pour cet esprit, Seigneur, de découragement, cet esprit, Seigneur, d'abattement, Seigneur Dieu, sur les âmes, Seigneur Dieu, des personnes, Seigneur Dieu, qui finissent écrire pour demander prière, Seigneur. Papa, Seigneur Dieu, me prier ce soir, Seigneur. Me commande, Seigneur Dieu, tu sais, un esprit de mensonge, de découragement, d'abattement. Tu as un esprit qui trompeur, Seigneur. Tu as un mensonge de l'ennemi, Seigneur mon Dieu, qui envahit les pensées de ces gens-là, Seigneur mon Dieu. Parce que, Seigneur mon Dieu, nous prend, Seigneur Dieu, tu as une pensée et nous commande, nous prends captif à et nous rends captif à l'obéissance du Christ, parce que les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas des hommes charnels, mais c'est des hommes puissants. Et vraiment, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, nous commande qui tu ban penser être capable captif à l'obéissance du Christ. Et Seigneur mon Dieu, tu as envie de faire nous, Seigneur mon Dieu, connaître à travers Jésus-Christ la richesse, Seigneur Dieu, de la gloire, à savoir que Christ est en chacun d'entre nous qui croit, et c'est vraiment l'espérance de gloire. Papa, me prier, Seigneur mon Dieu, me déclarer, Seigneur mon Dieu, qu'en Christ est née cette espérance, en Christ est née cette vie éternelle. Et Seigneur mon Dieu, ceux, Seigneur, qui soif, qui se vignent vers toi et qui pour vraiment, Seigneur, n'est plus soif, Seigneur Dieu, que tu pour abreuves même de cette
eau fraîche qui coulait, Seigneur Dieu, depuis le trône de la grâce, Seigneur mon Dieu. Papa, qui vraiment, Seigneur mon Dieu, qu'ils aient pensé ce soir, qu'ils soient capables d'être renouvelés, Seigneur mon Dieu. Seigneur, qu'ils aient capables de venir à la connaissance, Seigneur Dieu, de qui tu es, Seigneur mon Dieu. Papa, révèle toi-même, Seigneur Dieu, à eux, Seigneur, à chacun d'entre eux, Seigneur. Surtout, Seigneur mon Dieu, qui en ce moment, Seigneur Dieu, Koumamopé, déclaré, Seigneur mon Dieu, qui vraiment ta parole est vérité, ta parole est vie, Seigneur mon Dieu. Et oh Seigneur mon Dieu, Jésus, tu es le prince de la paix, Seigneur. C'est toi qui mets la paix dans le cœur de chaque personne, Seigneur mon Dieu, qui élève, Seigneur mon Dieu, une requête à toi, Seigneur. Papa, me prier, Seigneur Dieu, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence pour God l'équerre et que je pense dans qui Jésus y était et c'est qui Jésus une ferme la croix. Seigneur mon Dieu, ce soir, Seigneur, envoie tes paroles pour chaque personne, Seigneur, te fortifier, Seigneur, te rappelle, Seigneur mon Dieu, ce qui nous une fine. Tendez ce soir, Seigneur, qu'ils aient fini tendez auparavant, Seigneur, sur qui toi tu es, Seigneur, et qu'ils aient regardé à fixer le toi, Seigneur mon Dieu, notre regard fixé le toi, Seigneur, et pas sur les pensées du monde, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Karabara shanta karababa bara sonto korobobo korobobo shanto korobobo dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, que tu bannes la chaîne, Seigneur mon Dieu, qui ne finit en tous de pensée, les chaînes du mensonge, Seigneur mon Dieu, qui vraiment, Seigneur mon Dieu, c'est une, vraiment mon envie de déclarer ce soir, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici que toutes choses sont devenues nouvelles, tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ, toi qui as accepté Jésus-Christ, qui a crié vers lui, et qui a déclaré, qui a confessé que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, et le Seigneur personnel de ta vie, Seigneur mon Dieu, vraiment Seigneur, qui tu savais la chaîne, la vie, tombez, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, ces chaînes du mensonge, les tomber dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Karababara shanta karababara karababara sonto korob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 
mon Dieu. Me louer toi, Seigneur Dieu, me bénis toi, Seigneur. Parce que, Seigneur Dieu, ce papa, Seigneur mon Dieu, les demander, Seigneur, les cœurs pour ses enfants, Seigneur mon Dieu. Et c'est ça la famille, Seigneur mon Dieu. Et nous remercier toi pour cela, Seigneur, pour nos frères, Seigneur. Et papa, nous vraiment envie remercier toi et continuer à prier, Seigneur Dieu, pour Raj avec Mukesh, Seigneur mon Dieu. Papa, Seigneur Dieu, me remercier toi, Seigneur, qui nous capable, Seigneur Dieu, semaine après semaine, Seigneur Dieu, jour après jour, Seigneur Dieu, suivre, Seigneur Dieu, ces deux messieurs-là, Seigneur, nous prier pour eux, Seigneur, nous élève devant toi, Seigneur Dieu, devant ton trône de la grâce, Seigneur. Avant tout, Seigneur Dieu, nous prier, Seigneur mon Dieu, qui, Seigneur, te vraiment. À cause de Seigneur mon Dieu, la guérison, Seigneur mon Dieu. Je connais, Seigneur mon Dieu, qui se peut faire le traitement de dialyse, Seigneur, et qui a un diabète aussi élevé, Seigneur. Et aussi, Seigneur mon Dieu, me prier, Seigneur mon Dieu, qui vraiment te fait grâce, Seigneur. Te révèle toi-même à eux, Seigneur mon Dieu, que tu es le seul vrai Dieu. Tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, qui apporte de toi, Seigneur Dieu, peine à aucun autre Dieu par lequel je suis capable d'être sauvé. Et qui porte le seul nom de Jésus, Seigneur, nous capables d'être guéris. Seigneur mon Dieu, ce soir, Seigneur, nous invoquons ton nom, Seigneur Dieu, la situation, Seigneur Dieu, de Raj et de Mukesh, Seigneur mon Dieu. Papa, Seigneur Dieu, te compte en eux, Seigneur mon Dieu. Papa, Seigneur, te l'envoie et te garçon Jésus-Christ pour moller la croix, Seigneur Dieu, pour des personnes, Seigneur Dieu, tels que eux, Seigneur Dieu. Seigneur mon Dieu, pour les malades, pour les infirmes, Seigneur, pour les pécheurs, Seigneur mon Dieu, tu viens afin que tous, Seigneur Dieu, soient sauvés, Seigneur. Et ce soir, Seigneur mon Dieu, prier, Seigneur Dieu, que ta famille, Seigneur Dieu, pour tendez, Seigneur Dieu, qui Jésus est, et qui vraiment, Seigneur Dieu, porte la main qui est tendue, Seigneur, ta main toute puissante, Seigneur mon Dieu, tu agis d'une façon miraculeuse, Seigneur mon Dieu, tu agis d'une façon, Seigneur Dieu, qui pas pour faire aucun doute, Seigneur Dieu, que c'est le nom de Jésus et que c'est la foi dans le nom de Jésus qui guérit, Seigneur Dieu, ceux qui sont malades, Seigneur mon Dieu, incluant Raj, incluant Mukesh, Seigneur mon Dieu. Papa, vraiment, Seigneur Dieu, ce soir, Seigneur Dieu, mon envie de dire toi merci, Seigneur. C'est une grâce, Seigneur Dieu, qui nous est capable de réunir en tant que ton Église, Seigneur mon Dieu. C'est vraiment, Seigneur Dieu, ta volonté, Seigneur mon Dieu, qui nous capable de débouter dans la brèche et nous capable à porter, Seigneur Dieu, la prière, Seigneur Dieu, devant toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, nous crois, Seigneur Dieu, que la prière du juste, Seigneur mon Dieu, il y a une grande efficacité et que la foi, la prière avec par la foi, Seigneur, Dieu, avec foi, Seigneur Dieu, les pour relève, Seigneur Dieu, ban malade, Seigneur, les malades seront guéris, Seigneur mon Dieu. Papa, Seigneur Dieu, me loue toi, me bénis toi ce soir, Seigneur Dieu. Me peine aucun doute, Seigneur Dieu, qui est un Dieu qui répond la prière, est un Dieu qui est tout puissant, Seigneur, et nous faire ta confiance, Seigneur Dieu, en toutes choses, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, mon vie accordée avec, Seigneur Dieu, pasteur Lula, quand il dit dans Romains 8, 28, oh, nous savons, Seigneur Dieu, que toutes choses concourent bien pour ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein, qui sont appelés, Seigneur Dieu, selon, Seigneur, c'est qui Dieu est né, Seigneur Dieu, comme plan, Seigneur, pour chacun d'entre nous qui est mon Dieu. Seigneur, mon Dieu, me prier ce soir, Seigneur, qui vraiment, Seigneur, te continue, déverse de la grâce, Seigneur Dieu, sur, Seigneur Dieu, les requêtes de prière qui nous peut élever devant toi, Seigneur. Seigneur, nous louer toi, nous bénis toi, Seigneur. Nous rends toi tout honneur et toute gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia, amen, alléluia, nous continuons à prier, alléluia. Rosa caramante kelemente kara sarabara caramanto. Ora bara kara sarabara caramanto rosselebere caramanta. Rabara kara sorobolo colomonto. Alléluia, papa, nous remercions toi ce soir, Seigneur Dieu. Que l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Que ce soir, chacun d'entre nous, la continuité, nous invoque le nom du Seigneur et connaît. Et que la parole de Dieu dit à nous que l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. Alléluia. Papa, ce soir, nous accordons avec Sheila, Seigneur Dieu. Nous élève Janine devant ton trône de grâce, Seigneur Dieu. Papa, nous prions ce soir dans le nom de Jésus. Seigneur, comment nous puissions invoquer ton nom, Seigneur Dieu. Que vraiment nous prions, Seigneur, que Janine, Seigneur, t'intervienne dans cela vie. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Que Seigneur, qu'il y ait l'équilibre dans tout ce globule blanc.
et globules rouges, Seigneur, qui n'aiment l'équilibre et que tout cela, Seigneur, il vient à la normale. Et papa, nous déclarer ce soir, Seigneur Dieu, that she be healed in Jesus' name. Seigneur, avec toute une complication qui est là, mais ce soir, nous croyons dans ta parole, qui t'envoie ta parole, Seigneur, à Janine, que Janine, Seigneur, il recevoir ta parole et que ta parole, il guérit. Seigneur, me prier pour une restauration. Me prier ce soir pour un miracle dans la vie de Janine. Seigneur, le rapport médical capable de dire, Seigneur Dieu, qu'il est très compliqué. Mais Seigneur, ce soir, nous croyons dans le nom de Jésus. Nous croyons que ce nom qu'il a de toute maladie, que le nom de Jésus est un nom que vraiment il y a une onction qui coule. Seigneur, me prier ce soir que ton onction l'y coule chez la vie de Janine. Que ton onction l'y coule, Seigneur, de tête jusqu'aux pieds. Et que l'onction l'y rentre au plus profond, même jusque cela moelle, Seigneur Dieu, te touche les Seigneur, afin que tu sois un globule blanc, Seigneur, retourne à la normale. Que Seigneur ait un bon équilibre, Seigneur, dans tout ce système, dans ce écho. Papa, au nom de Jésus, we speak also, Seigneur Dieu, à ce cancer, that she will declare tonight. I declare in the name of Jesus. That she be free of this cancer. That she be healed of this cancer. Seigneur, we declare healing over that cancer. We declare healing. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que ton nom est plus là-haut que ça cancer là. Et Seigneur, vraiment, nous prions ce soir pour un miracle en opération dans la vie de Janine. Seigneur, te connais ce désir, Seigneur Dieu, pour rendre visite à sa maman. Seigneur, nous prions, Seigneur, toute la famille peut prier pour elle, Seigneur Dieu. Il est loin. Seigneur Dieu, papa m'a prié ce soir, Seigneur, le cri de son cœur, Seigneur Dieu, qui te touche lui ce soir, te donne ce cri, te croue, tu seras l'homme, me connais, Seigneur, ce soir, you have bottled every tear, Seigneur Dieu, qui vient verser, mais ce soir, Seigneur, I just speak, Seigneur Dieu, that you give her the desires of her heart, Seigneur, qu'elle vienne rendre une visite à sa maman, Seigneur, nous connais, Seigneur, que médecin infinitaire dit qu'il peut voyager, but we believe for a miracle tonight. We believe, Lord, that you will do a miracle. Te pouvoir dans la porte et Seigneur, te pour donner le désir de se le cœur. Comment lui faire toi ces délices, Seigneur? Comment lui écrire vers toi quand il croit en ton nom? Il croit, Seigneur, que le nom de Jésus, Seigneur, il plie haute, Seigneur Dieu, que toute sa maladie qui peut traverser là. And Father, tonight, we pray and implore ton miséricorde dans cela vie, that you have mercy. Have mercy, O God. Have mercy, Lord. And hear the cry of your people. Hear the cry of your daughter. Seigneur, de toutes bonnes enfants, Seigneur, qui peut prier pour Janine. Seigneur, qui te vraiment, Seigneur, étende de la main dans le nom de Jésus. Papa, nous prions aussi pour un frère qui est dans la clinique, Seigneur Dieu. Papa, nous prions qu'il se tue l'oxygène, il retourne à la normale dans le nom de Jésus. Seigneur, tu étends de la main ce soir. Release your angels. Là que tu étais dans cette salle, Seigneur Dieu. Libère ton anneau, Seigneur, pour toucher-les. Et Seigneur, nous prions, Seigneur, te touche, Seigneur Dieu, sur les corps. Seigneur, afin que sur les corps, ils répondent, Seigneur Dieu, et que ce taux d'oxygène, ils retournent à la normale. Dans le nom de Jésus, ce soir, we speak a miracle in his life. Seigneur, avec toute la famille, nous accordons ce soir, Seigneur, pour un miracle, Seigneur, et qu'il te guérisse au cancer aussi, au nom de Jésus. We speak healing over his life, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous plaît le sang de Jésus. Le sang de Jésus lui couvert lui, là que tu étais, Seigneur Dieu, et qui doit intervenir, tu étends de la main, ta main guérissante posée sur ce frère, dans le nom de Jésus. Papa, nous prions aussi pour Sylvio, qui demande pour prier pour son fils Olivier, qu'il retourne à toi, Jésus. Seigneur, ce soir, Seigneur, nous prions au nom de Jésus, ensemble avec Sylvio, Seigneur Dieu, nous prions, Seigneur, qui te touche, Olivier. Touche sa conscience ce soir. Et Seigneur, nous prions tout comme, Seigneur, le fils prodigue, qu'il retourne à lui-même. Et à ce moment, il retourne, Seigneur, la case, papa. Ce soir, nous prions qu'Olivier, lui retourne à lui-même, Seigneur Dieu, et qu'il te touche sa conscience, qu'il y retourne la case, Seigneur, de Jésus. Seigneur, qu'il y retourne. Seigneur, te touche lui, Seigneur, te donne ce désir, to enable him to come at the feet of Jesus Christ. Enable him, Seigneur, to come at the feet of Jesus. Et Seigneur, qu'il y vienne, Seigneur, je crie vers toi. Et Seigneur, Dieu, nous prions, Seigneur, te touche-lui. Nous prions, Seigneur, te miséricorde, te la grâce qui te déversait dans la vie d'Olivier. Et ce soir, nous prions aussi, Seigneur, ensemble avec Manishma, qui demande pour prier pour toute sa famille, Seigneur Dieu. Qui te protège cette famille, te épargne cette famille, Seigneur, de tout un obstacle, Seigneur Dieu. Papa, étends-toi la main.
Nous prions ta protection, Seigneur, et de la grâce déversée sur la famille de Manishma. Et Seigneur, lui demande aussi la prière pour Josiane, qui ne fait qu'opérer ce léger, restaure sur la santé. Seigneur, nous accordons avec Manishma, Seigneur Dieu, ce cœur qui peut vraiment intercéder, Seigneur, pour Josiane. Seigneur, nous prions d'intervenir et qui, Seigneur Dieu, qu'il y ait restauré à 100%. Seigneur, te tends la main. Seigneur, il demande pour prier aussi pour Steven, qui paraît si être tenté. Mais Seigneur, nous prions, Seigneur, pour la guérison aussi, Seigneur Dieu. Papa, nous prions, Seigneur, te rétablir, Seigneur Dieu, tous ces bons enfants. Et aussi, Seigneur, qui te continue à agir dans la vie. Seigneur, te connais la demande de management, Seigneur, pour Steven. Nous accorder ce soir, Seigneur Dieu, qui te donne, Seigneur Dieu, ce désir, Seigneur, pour prier pour Steven. Et nous prions, Seigneur, tu agir, tu intervenir dans la vie de Steven et aussi dans la vie de ce bons enfants. Seigneur, qui te protège. Et nous prions, Seigneur Dieu, qui nous dresse une aide de protection sur la vie, sur la vie de Steven et aussi sur la famille, sur tous ce bons enfants. Seigneur, nous demande de prier aussi, Seigneur, Manishma demande pour prier pour elle aussi, Seigneur Dieu, qui est capable de continuer de donner courage pour travailler. Et que Seigneur, dans toute bonne épreuve qui est là, Seigneur Dieu, est capable de surmonter toutes ces épreuves dans le nom de Jésus. Seigneur, te protège sur la santé, te protège, Seigneur, ce mariage, sur la case, ce foyer, et aussi sur relation avec son époux et toute la famille, Seigneur Dieu. Papa, nous prions, Seigneur Dieu, qui vraiment te accorde un management, Seigneur, tout ce qu'on demande au nom de Jésus. Seigneur, nous prions aussi, Seigneur Dieu, pour nous accorder avec Maurice Splendor, Seigneur Dieu, et qui demande pour prayer for Claudia, who has grave autoimmune disease and many health problems. Seigneur, ce soir, Seigneur Dieu, we believe and we confess that the Lord is good to Claudia. Seigneur, nous croyons, Seigneur Dieu, que tu es bon, Seigneur Dieu. Nous confessons ce soir, Seigneur Dieu. And God, we believe that Jesus bore her sin and sickness and pain. Et Seigneur, que Claudia need not bear them anymore. Et Seigneur, we pray. Seigneur, ce soir, Seigneur Dieu, me prier, Seigneur, que every symptom of disease and sickness is commanded to die in Jesus' name. Seigneur, we exercise authority tonight over the root of viruses and diseases. Et Seigneur, nous commande, Seigneur Dieu, que tout, Seigneur Dieu, tout bon virus, tout bon sickness and disease qui est là dans le corps, Seigneur, tout bon débalancement qui est là, Seigneur, dans ce immune système, Seigneur, nous prions, Seigneur Dieu, qui est un lot, Seigneur, et un lot dans ce corps, Seigneur, au nom de Jésus, qui est un équilibre dans ce corps, et that Claudia be healed in Jesus' name. Seigneur, comment nous pouvons accorder avec splendor, Seigneur, that you touch Claudia. Touche Claudia ce soir, Seigneur, avec ta main puissante, ta main guérissante, dans le nom de Jésus. Seigneur, ce soir, nous prions aussi pour nos frères Philippe, Seigneur Dieu, ensemble avec Rosemée, qui nous a accordé, Seigneur Dieu, qui nous finit un cancer inside the nose. Seigneur, nous prions ce soir, Seigneur, that cancer, we command that cancer to die in Jesus' name. Toute bonne cellule cancéreuse, Seigneur Dieu, nous commandons, Seigneur Dieu, qu'ils ne soient pas pour reproduire, mais que pour une que bonne cellule qui pour reproduire dans le corps de notre frère Philippe. Et Seigneur, we declare healing over his life. We declare healing tonight. Seigneur, autant, Seigneur, cela foyons toi. Seigneur, ce soir, Seigneur Dieu, nous accordons que Philippe les be healed in Jesus' name. Comment nous pouvons accorder avec notre sœur Rosemée, Seigneur, pour prier pour Philippe. Seigneur, nous croyons et Seigneur, qui te peut agir dans cela vie et qu'il y ait un miracle en opération ce soir. Nous prions, Seigneur, qui te restaure complètement, Seigneur Dieu. Et ce soir, nous prions aussi pour Régis, Seigneur Dieu, qui te give him a good health. Et Seigneur, qui nous capable de retrouver, Seigneur, à l'église ensemble pour louer toi, pour adorer toi. Seigneur, étends-te la main sur notre frère Régis, Seigneur Dieu, afin qu'il te redonne, Seigneur, en la force. Seigneur, te renouveler, Seigneur, tu seras force, te renouveler sur l'énergie. Et Seigneur, que Régis, Seigneur Dieu, nous capables de retrouver en bonne forme. Et Seigneur Dieu, qu'il est là, ensemble avec nous, Seigneur, à l'église. Papa, étends-te la main chez le frère Régis, Seigneur. Étends-te la main, ta main puissante, ta main guérissante. Et nous prions de la grâce qui surabonde chez notre frère Régis, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions aussi pour Marie-Lise, Seigneur Dieu, ensemble avec Marie-Lane, que Marie-Lise ait des douleurs au niveau de sa nuque, épaules et deux. Tu enlèves toutes ces douleurs dans le nom de Jésus. Seigneur, nous commande, Seigneur Dieu, avec l'autorité que tu finis de nous, Seigneur. Nous commande, Seigneur Dieu, toute bonne douleur au niveau de sa nuque, toute bonne douleur de ses épaules et toute bonne douleur qui dans ceux les deux.
quitte Marie-Lise dans le nom de Jésus. Seigneur, we speak health and vitality over her life in Jesus' name. Seigneur, nous prions aussi pour Marie-Lily, pour ses jambes, Seigneur, afin qu'il est capable de bien marcher. Seigneur, nous prions, Seigneur Dieu, qu'il te pose la main ce soir, Seigneur, là, dans ses jambes de Marie-Lily. Te pose la main guérissante, qu'il y ait l'onction qui coulait, Seigneur, ton onction qui guérit, ton onction qui libère, ton onction qui restaurait ce soir, que ton onction lui restaure les jambes de Marie-Lily, qui t'enlève toute bonne raideur, toute bonne douleur dans la jambe, au nom de Jésus. Nous remercions toi ce soir, Seigneur Dieu, qui te a l'œuvre dans la vie de Marie-Lily. Seigneur, nous prions aussi pour Conchita, ensemble avec Conchita, Seigneur, nous élève Pascal devant toi, Seigneur, qui a la tête lourde après la chimiothérapie. Seigneur, nous prions ce soir, Seigneur Dieu, que ta main te la grâce, te déverse de la grâce, Seigneur Dieu. Grâce sur grâce ce soir, nous prions sur la vie de Pascal. Seigneur, avec le chimio qu'il peut faire, Seigneur, ce soir, nous prions, Seigneur Dieu, qui vraiment, Seigneur, tout un effet secondaire qui est natif à travers ce chimieux. Seigneur, nous prions, Seigneur Dieu, que de la grâce les surabonde. Et Seigneur, nous prions, Seigneur, que Pascal be healed of that cancer. We declare healing over that cancer. We declare healing, Seigneur, que Pascal, Seigneur, y est guéri de sa cancer-là, au nom de Jésus. Because we believe that you have sent your word, and your word, Seigneur Dieu, guérit Pascal. Nous remercions toi, Seigneur Dieu, qui t'es capable, Seigneur, entoure, Seigneur, enveloppe Pascal de ta main puissante, de ta main, Seigneur Dieu, pleine de grâce, Seigneur Dieu. Te enveloppe Pascal ce soir, Seigneur Dieu, et qui te redonne-lui de la force. Et Seigneur, nous prions, Seigneur Dieu, que tu bannes traitement qu'il peut faire pour ce cancer, que ce les corps, Seigneur Dieu, lui pour répondre positivement à tout bon traitement, et que Seigneur, nous pour entendre de bonnes nouvelles, de bons témoignages, Seigneur Dieu, qui c'est les merveilles qu'il donne faire dans cela vie. Nous prions aussi, Seigneur Dieu, pour Conchita, Seigneur, te vraiment te la grâce lui déverser chez cette épouse, Seigneur Dieu, qui peut prendre soin, Seigneur, non seulement de Pascal, mais aussi les enfants. Seigneur, nous prions qu'il te donne le courage, la force, Seigneur, qui bise, et surtout, Seigneur, a strong woman, that she be strong, Seigneur, in the Lord. Seigneur, te dire, be strong in the Lord. Et Seigneur, nous prions ce soir, that Conchita, be strong in the Lord, Seigneur, à travers toute bonne épreuve qui est là, that she will be strong, a strong of, Seigneur, a woman of faith, and a woman qui est strong in the Lord. Et Seigneur, nous prions aussi, Seigneur, pour Naren Sami, qui atteint du cancer de pancréas. Seigneur, ce soir, Seigneur, we declare healing, ce cancer. Seigneur, il y a tant de personnes qui prient ce soir qui viennent atteindre du cancer. Whatever the cancer, whatever the stage, we declare healing. Seigneur, sur tous ceux et celles, Seigneur, qui souffrent du cancer ce soir, we declare healing. Seigneur, comment nous pouvons prier pour Naren Sami, Seigneur Dieu, pour ce cancer de pancréas. Seigneur, comment tu peux libérer, Seigneur, une puissance, une guérison de la vie de Naren Sami. Nous croyons, Seigneur, nous prions pour tous ceux et celles qui peuvent souffrir du cancer, recevoir cette onction, que cette onction les coule chez tous ceux qui peuvent souffrir du cancer, Seigneur, que cette onction les coule et qu'ils soient guéris dans le nom de Jésus. Papa, nous remercions toi que la prière, Seigneur Dieu, de tes bons enfants, les montent vers toi comme un parfum de bonne odeur et qui te répondent, Seigneur Dieu, et qui te prie avec tous ceux qui invoquent ton nom. Ce soir, nous invoquons ton nom, Seigneur, le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom qui guérit, ce nom qui restaurait, ce nom qui réparait. Seigneur, nous disons ta merci, Seigneur Dieu, qui nous est une grande espérance, Seigneur. Whatever the disease tonight, whatever the situation, whatever, Seigneur, qui montagne est là ce soir, we believe in your name. We believe, Seigneur, ce soir, qui doit agir, parce que, Seigneur, nous pouvons persévérer dans la prière de la foi, Seigneur. Nous persévérer, Seigneur Dieu, dans ce que nous connaissons, Seigneur, que la prière d'un homme juste lui accomplit des grandes choses. Que la prière, Seigneur Dieu, nous libère une puissance dans le monde spirituel. Que nos prières nous libèrent une puissance dans la vie de tous ceux qui peuvent souffrir ce soir. Au nom de Jésus. Oh, nous bénis-toi, Papa, ce soir. Dans le nom de Jésus, nous prions, Papa. Amen. 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 Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Oh, nous te bénissons ce soir, Seigneur. Nous continuons, Seigneur. Intervenir auprès de toi, Seigneur mon Dieu. Nous trouvons-nous à la brèche devant toi, Seigneur mon Dieu.
relève les requêtes de nos bons frères, de nos bonnes sœurs, Seigneur mon Dieu. Papa, ce soir, dans le nom de Jésus, ne lève, Seigneur, digne devant toi, Seigneur mon Dieu, de comme un accord avec Pascal. Seigneur, ne lève digne, Seigneur, qui atteint d'une leucémie. Seigneur mon Dieu, tu es le Dieu, Seigneur, qui est capable d'intervenir, Seigneur. Seigneur, me lève digne devant toi, Seigneur, te lave ce dissent, Seigneur, te purifie ce dissent, Seigneur, de toute trace d'infection, Seigneur mon Dieu. De tout bas de microbes qui gagnent tous ce dissent, Seigneur mon Dieu. Oh Papa, dans le nom de Jésus, Seigneur, me confesse ta guérison dans les corps de Dean, Seigneur mon Dieu. Te purifier ce dissent, Seigneur Jésus, par ton sang précieux, Seigneur mon Dieu. Oh Jésus, ne lève-lui devant toi cet homme là que tu étais, Seigneur. Alléluia. Seigneur mon Dieu, d'un commun accord avec nos frères John, Seigneur, et de nous, sœur Ginette. Seigneur, nous prier pour tous ceux qui souffrent dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Seigneur, mon Dieu, tu es le Dieu, Seigneur, qui est capable. Enlève toute ma anxiété qui est capable dans notre corps, dans notre âme, Seigneur, dans notre l'esprit, Seigneur. T'enlèves toute bonne peur, toute bonne crainte, Seigneur mon Dieu, qui parvient de toi. Seigneur mon Dieu, nous lève toutes les personnes qui trouvent dans cette situation, Seigneur. Te déverse de la paix dans notre équerre, Seigneur mon Dieu. Te déverse de la paix dans notre équerre, Seigneur mon Dieu. Seigneur, te fortifie, Seigneur. T'enlèves toute bonne faiblesse, Seigneur mon Dieu. Au niveau de notre l'esprit, Seigneur mon Dieu. Te restaure totalement, Seigneur mon Dieu. Papa, nous prions aussi pour nos enfants qui peuvent souffrir de la maltraitance, Seigneur, mon Dieu. Papa, Seigneur, ce sont nous les bons enfants qui trouvent, Seigneur, de bonne santé, Seigneur. Ou vous êtes capables de trouver de bonne famille qui finit ramasser, Seigneur, mon Dieu. Ou aussi, Seigneur, et nos bons enfants, Seigneur, qui peuvent être courir pour vous, Papa. Seigneur, mon Dieu, moi, les autres vers toi, Seigneur, qui te capable tout ton regard favorable aux bons enfants. Jésus, quand tu es sur la terre, Seigneur, tu dis à tes bons disciples, pas en paix, mes enfants viennent vers toi, Seigneur mon Dieu. Jésus, toi, te comptant les enfants, Seigneur, te le même te pas changer. Même te fin prendre ton exemple, te dire, nous bisons, viennent comme un enfant pour nous capables d'hériter le royaume. Papa, me lève tous ces enfants qui peuvent souffrir, Seigneur, de la maltraitance, qui peuvent, Seigneur mon Dieu, pas recevoir l'amour d'un parent, Seigneur mon Dieu. Papa, moi, les autres vers toi. Tu es le Dieu qui est capable de construire les cœurs d'enfants. Et me réclame, Seigneur, mon Dieu, qui te mette une protection divine, les autres, la vie, Seigneur, mon Dieu. Protège les autres, Seigneur, contre toute bonne personne malveillante, mal intentionnée, Seigneur, mon Dieu. Oh, Papa, délecte mon ange autour de tous ces enfants, Seigneur, mon Dieu. Papa, qui te révèle, t'amène à la vérité, Seigneur. Ben, quelque chose qui peut faire casser avec eux, Seigneur. Comment te dire de ta parole, Seigneur, te pour révèle des grandes choses et des choses cachées que l'on ne connaît pas. Seigneur, c'est la bonne quelque chose qui casser, qui peut, qui sa bonne enfant là peut subir, Seigneur, mon Dieu. T'amène à la découverte, Seigneur, mon Dieu. Oui, Papa, parce qu'il est un Dieu qui compte en eux, Seigneur, là que Dieu t'était, Seigneur, mon Dieu. Délivrez eux, Seigneur. Nous prions aussi, Seigneur, mon Dieu, pour les enfants qui ne paient pas à notre faim. Et pas seulement les enfants, et beaucoup d'autres personnes, sans abri, Seigneur, qui ne paient pas à notre faim. Oh Père, tu es le Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Selon la richesse de la gloire. Papa, moi, lève tout le monde qui trouve de mon manquement. Seigneur, mon Dieu, qui te capable d'ouvrir les écluses du ciel. Seigneur, tu intervenir, Seigneur. Place le monde qui connaît la route, Seigneur, mon Dieu. Pour capable de quoi à manger, Seigneur, mon Dieu. Oh, ceux qui peuvent travailler, Seigneur, bénis le travail de notre l'âme, Seigneur, mon Dieu. Pour être capable de nourrir la famille à notre faim, Seigneur, mon Dieu. Oh, Papa, aussi, nous prier pour toute bonne vieille personne qui sentit tout seul et qui peut souffrir, Seigneur. Que t'aina, Seigneur, bonne personne, bonne aînée qui se trouve dans mon home, qui bonnes enfants finissent les autres là, finissent oublier autres. Papa, me place tous nos aînés dans ton armée, Seigneur. Seigneur, la cause de t'aider dans mon institution, dans mon home, Seigneur, mon Dieu. Qui, Seigneur, te capable, Seigneur, touche le cœur de tout ban carer, Seigneur, ban ceux qui en autorité dans sa ban home là, Seigneur, pour qu'en tous autres, Seigneur, dans l'amour, Seigneur, dans l'affection, Seigneur, mon Dieu, et prendre soin de eux, Seigneur, mon Dieu. Papa, moi, lève tout ban enfants qui finissent oublier qu'ils ont été nés parents. Oh, Papa, tous autres les cœurs. Rappelle-le, Seigneur, que te dire dans le seul commandement qui est accompagné d'une promesse, honore ton maman, ton papa, et te pour vivre longtemps. Papa, lève tous mes enfants qui trouvent dans ma situation qui finit en oubli de autres parents. Papa, rappelle-le de autres parents, Seigneur, mon Dieu.
Oh, papa, me lève, Seigneur, toutes ces aînés, Seigneur, la cause était. Toi, tu es capable, Seigneur, soutenir eux, Seigneur, mon Dieu. Oh, mon Dieu, me prier aussi, Seigneur, pour Nichal, Seigneur, qui souffert de bonnes crampes dans ce lamé et au niveau de ce genou et bonnes douleurs. Seigneur, me lève Nichal devant toi ensemble avec Pascal. Seigneur, tu intervenir par ta main puissante. Seigneur, te délivrer Nichal de bonnes crampes, de bonnes douleurs qu'il peut ressentir au niveau de ce lamé et de ce genou, Seigneur. Seigneur, guéris, Seigneur, Nichal de ses crampes, de ses douleurs. Et Seigneur, fortifie-le dans ce ligament, dans ce bas de muscle, Seigneur, dans ce bas de l'artère, Seigneur, dans ce bas de léseux, Seigneur, mon Dieu. Oh Jésus, intervenir, Seigneur. Et Seigneur, vous priez que Nichal, ici, il retourne son regard sur l'équerre vers toi, Seigneur. Fais-le contre toi, lui aussi, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu, nous continuons à prier pour nos frères Steven. Steven, qui a la bonne douleur dans son pied gauche. Que suite à un accident, Seigneur, les fines, et à cause de ça, les papes qui travaillent, Seigneur, mon Dieu. Papa, ne lève si vain devant toi, Seigneur. Seigneur, mon prier qui, Seigneur, te pour guérir, Seigneur, que les membres de ce lipier finent touchés pendant cet accident, Seigneur, mon Dieu. Qui, Seigneur, te libère ce lipier de bonne douleur, Seigneur, mon Dieu. Te libère, Seigneur, mon Dieu. Toi, celui qui guérit, te dis à nous, te l'éternel qui guérit. Seigneur, nous croyons dans ta parole est vraie. Seigneur, qui t'intervenir, Seigneur, te guérit les pieds de Sivène, Seigneur, mon Dieu. Oh, papa, ce soir, nous prions pour Camille Ravina, que Camille et Ernest nous demandaient, Seigneur, pour prier pour lui. À cause, Seigneur, les atteintes de vertige, les sentir faibles, il y a un problème d'audition. Et, Seigneur, problème de goût, de l'odorat, Seigneur, il y a un picotement, les sentir qui se les coupe et lâche-le, Seigneur, qui se la tête lourde. Et de ce fait, Seigneur, il n'est pas capable de prendre soin de ce garçon qui a 10 mois, Seigneur, mon Dieu. Oh, papa, trouve, Seigneur, cette situation de Camille Ravina. Seigneur, mon Dieu, te connais le pourquoi qu'il peut subir tous ces symptômes, Seigneur, mon Dieu. Papa, que tu aies un problème au niveau de ce l'audition, goût, l'odorat, Seigneur, et ben, le picotement qu'il est ressenti, Seigneur. Papa, me lève Camille devant toi, Seigneur. Papa, te plie là-haut. Te nom li pli là-haut qui tout sa ban maladie, ban symptôme qui Camille Ravina peut gagner, Seigneur, en ce moment. Papa, me lève cette jeune femme devant toi, Seigneur, mon Dieu. Père du ciel et de la terre, te mettez l'eau dans tout ce ban l'organe, Seigneur. Au niveau de ses oreilles, de ce néné, de ce la bouche, Seigneur, mon Dieu. Te redonne-li, Seigneur, tout ce ban sens, Seigneur, mon Dieu. Par ta main puissante. Seigneur, le corps de Camille Ravina n'a aucun secret pour toi, parce que c'est toi-même qui graissa les corps, là, papa. Papa, qui te redonne tout ce ban, Seigneur, capacité, Seigneur, mon Dieu, au niveau de tout ce ban l'organe, redonne tout ce ban sens, Seigneur, mon Dieu. Et Seigneur, t'enlève tout ban faiblesse, Seigneur. Tout ce qui peut causer sa faiblesse, ça, Seigneur, t'enlève, Seigneur, mon Dieu. Et te délivre-lui de tout ban lourdeur au niveau de cela. Tête, papa. Oui, Seigneur, t'enlève tout sa bande système, Seigneur mon Dieu, qui parvient de toi, tout sa bande symptôme, Seigneur mon Dieu. Seigneur, te délivrer, Seigneur Camille, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus. Et que Seigneur Camille, pour capable reprendre soin, ni pour capable occuper de ce garçon de 10 mois, papa. Oh mon Dieu, trouve cette jeune femme, Seigneur, la côté, Seigneur. Entends son cri, Seigneur. Entends ce détresse, Seigneur mon Dieu. Oh papa, me connais, tu es le Dieu qui a l'écoute et tu es le Dieu qui répond parce que tu es un Dieu qui a la capacité, Seigneur mon Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh Jésus, tu intervenir, Seigneur mon Dieu. Papa, nous accordons ensemble avec Marianne, nous prions pour Papy Claude qui pour faire un petit scan très prochainement. Seigneur, nous pas relâcher dans cette demande concernant Papy Claude, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous connais, Seigneur, tu es le Dieu qui guérit, Seigneur. Et papa, ne lève pas Piclo devant toi, Seigneur, t'intervenir. Me prier, Seigneur, qui te donne la capacité de te fortifier sur les corps physiques, Seigneur. Pour être capable, Seigneur, sur les corps répondre, Seigneur, à ce soin, à ce traitement, à travers le PET scan, Seigneur, mon Dieu. Qui, Seigneur, Papy Claude, papa, trouve, Seigneur,
ce traitement lourd, Seigneur mon Dieu. Papa, te donner la force comme le buffle, Seigneur mon Dieu. Oui, Papa, nous place Papi Claude devant toi, Papa, Père éternel, Dieu tout-puissant. Oui, Seigneur, tu es le Dieu qui pourra rendre Papi Claude la capacité, Seigneur, pour être capable de tenir, Seigneur, ce traitement qu'il peut faire, Seigneur, très prochainement, Seigneur mon Dieu. Oh, Papa. Merci qui te donne à Pascal N. Lecker, Seigneur de miséricorde N. Lecker, pour prier pour les uns les autres, Seigneur. Seigneur, ce soir, il demande prier pour son épouse Conchita, Seigneur, qui finit atteinte de la grippe, Seigneur. Il te donne Conchita, Seigneur. Comment il peut demander la vitalité, Seigneur, et la force. Seigneur, te délivrer Conchita sur les corps de cette grippe, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, te fortifier dans ce système immunitaire, Seigneur, mon Dieu, qui sur les corps pour capable résister, Seigneur, à ce microbe, Seigneur, qui est la grippe, Papa, et qui Conchita pour regagner, Seigneur, sur la force, Seigneur, le courage, pour être capable de prendre soin de la famille, de son époux et de ses deux enfants, Seigneur. Seigneur, me confesse la guérison dans les corps de Conchita, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, nous continuons à prier, Seigneur. Nous continuons à intervenir auprès de toi, Seigneur. Nous pas pour relâcher, Seigneur. Nous pour persévérer, Seigneur, mon Dieu. Papa, de commun accord avec ma sœur Lucie. Vous priez pour ce maman ce soir, Anne-Marie, Seigneur, mon Dieu, qui peut souffrir de ce genou, Seigneur. Seigneur, tu poses de la main puissante le genou de nous, Anne-Marie, Seigneur, mon Dieu. Toi, le Dieu qui guérit, toi, l'Éternel qui guérit. Seigneur, maintenant même, à l'instant même, Seigneur, là que Anne-Marie était, Seigneur, tu es capable d'intervenir, Seigneur, puissamment, Seigneur. Parce que tu es un Dieu qui guérit divinement, Seigneur, mon Dieu. Tu es un Dieu, Seigneur, qui guérit, Seigneur. Nous croyons dans ta parole, Papa. Papa, envoie ta parole, tu guéris, nous, Seigneur, Iwan, pour la que tu étais, Seigneur. Tu guéris, Seigneur Anne-Marie, Seigneur, te libère ce genou, Seigneur, de toute bonne douleur, maintenant même dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Me commander que ce soir, toute douleur quitte le genou de Seigneur Anne-Marie ce soir, dans le nom de Jésus. Seigneur, te sanctifier le genou de Seigneur, Seigneur, te sanctifier ce ligament, ce muscle, ce bonne lentaire, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, ben jointure, Seigneur, mon Dieu. Te guéris-lui, Seigneur, maintenant même, Seigneur. Te mettons la force, Seigneur, comme le buff dans le genou de nos chers, Seigneur, mon Dieu. Lui pour capable regagner l'usage de ce pied sans aucune douleur, Seigneur, mon Dieu, sans aucune faiblesse, Seigneur, mon Dieu. Papa, te fortifier le genou de nos chers dans le nom de Jésus. Alléluia. Au Seigneur, nous prions aussi pour Bernadette. Puis Sylvie n'accompagne Sylvie dans cette demande, Seigneur mon Dieu. Nous les Bernadette devant toi, Père éternel, Dieu tout-puissant. Seigneur, qui t'intervenir puissamment pour nous, Seigneur Bernadette aussi, Seigneur, au niveau de ce genou, Seigneur mon Dieu. Papa, t'enlève tout ce ban de douleur, Seigneur mon Dieu. T'aurais donné la capacité, Seigneur, pour être capable de marcher, Seigneur, normal, Papa. Papa, ne lève nous, Seigneur Bernadette, là que tu étais, Seigneur mon Dieu. Te touche-lui par ta main puissante, Seigneur mon Dieu. Te libère ce genou de tout ban douleur, Seigneur mon Dieu. Te libère ce genou de tout ban douleur, de tout ban inflammation, ban irritation qui finit tous les os, qui finit tous les os dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Shakabarate Kedego Shinta Barate Kedego Santa. Oh, Jésus, nous réclame te dit sang précieux. Te dit sang précieux, le genou de Bernadette ce soir, dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur. Car tu es celui qui guérit. Seigneur, nous croire dans ta parole. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Ce soir, Seigneur, mon Dieu, nous disons-toi merci. Nous glorifions-toi, Papa l'Éternel. Nous glorifions-toi, Saint-Nom, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, nous glorifions-toi. Et nous disons-toi merci, car tu es le Dieu qui est à l'écoute et tu es le Dieu qui répond dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous remercions toi, Seigneur, pour toutes ces prières qui font monter vers toi comme un parfum de bonne odeur. Comment, Seigneur, nous prions aussi pour tous ceux qui peinent capables. Envoie une bonne requête de prière, Seigneur. Seigneur, te connaissons un parrain, Seigneur. Et dans le nom puissant de Jésus, nous prions t'envoyer ta parole pour guérir tous ceux qui sont malades, Seigneur. Tous ceux qui peuvent souffrir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci, Seigneur, qui l'onction de Dieu, l'onction de guérison. Et tous les corps, Seigneur. Vous priez pour notre sœur qui, souvent, des fois, a un vertige, Seigneur Jésus. Seigneur, tu enlèves tout le vertige, Seigneur.
Enlève, Seigneur, tout ban quelque chose qui fait déséquilibrer, mais redresse la vie, Seigneur, mon prier pour, Seigneur, notre sœur Colette aussi, Seigneur Jésus, Seigneur, mon prier qui te, Seigneur Dieu Tout-Puissant, te guérit, Seigneur, même au niveau de ce poumon, Seigneur, le système respiratoire, Seigneur, qui est capable de prier, respire beaucoup mieux, Seigneur, l'onction de Dieu, l'onction de guérison sur Colette, Seigneur Jésus, rétablis notre sœur, Seigneur, redonne sur la force, Seigneur, redonne sur la paix, Seigneur, et donne un bon sommeil chaque soir, Seigneur. De la main bénie, il repose sur notre sœur Colette, de la main bénie, il repose sur les autres personnes qui sont malades, Seigneur Jésus, et qui, dans la grâce de Dieu, il surabondent dans la vie de tout un chacun. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et voilà, frères et sœurs, nous arrivons à la fin de ce temps de prière. Merci pour votre écoute. Merci pour toutes vos requêtes de prière qui viennent envoyer. Et merci aussi que votre fidélité chaque mardi à 8 h du soir. Au revoir, merci et bonne nuit à tout le monde.